Hey yo! Ça y est là, Akeron, Mister Joker, Thomas, Sphinx, comment ça va? J'ai oublié de mettre la cam. Hop, j'ai des pieds sur Diablo. Donc, bon, ouais, je suis dans un trou. Je suis dans un trou parce que elle a fallu que je me connecte un peu avant le live, vu qu'hier, à la fin du live, je m'étais fait irradier parce que j'avais oublié. En fait, j'avais pris mon armure dans l'inventaire, je l'avais juste pas mise. Hein. Et j'avais récupéré de l'uranium et tout sur moi, et forcément j'avais 25 minutes de radiation. J'avais la flemme de me suicider, donc du coup, bah juste AFK. Donc, bon, en tout cas, ça a bien prod. Sachant qu'on a encore tout ça d'uranium maintenant. Ah! Alors, j'avais pas pensé à ça. En gros, le problème, c'est que le Purify Crush Uranium. Ah ouais, en fait, j'aurais fallu que je le blacklist. En fait, en gros, il est censé partir là-dedans. Le problème, c'est que si elle, elle est full, parce que lui, il traite plus vite que elle. Enfin, ce truc-là, elle traite plus vite que ce truc-là, plutôt, on va dire. Bah du coup ça repart là-haut et ça repart là-haut j'ai donc eu. M'emmerde un peu cette histoire. Sinon, faudrait que je repasse en extract vert ici et juste ici je filtre que l'uranium crush. Ah, on va faire ça. Hop. Oula. Je me fais avoir à chaque fois ici. Ce qui m'a de l'uranium. Non. Non. Très bien. Bon, on va attendre que ça accroche. Je vais remettre mon armure dans le doute avant de me faire. Hop. Voilà. J'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Bang. Les trucs là-dedans encore. Ah oui. Et bug un peu. Bug un peu. Ah, pa-pum. Alors. Mon armure? Mon armure. Y'a pas à me sortir là, c'est bon. Non! Du coup, extract, insertons. C'est bon. Et. Parce qu'ici, en input. En fait, ici, j'ai pas de filtre en insert. Du coup. Y'a pas l'air d'avoir besoin. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est pas censé pouvoir rentrer dedans, ça rentre. Eh, dans le doute. On va filtrer pour éviter qu'il se passe des dingues. Ouais, voilà. Nickel. Nickel, nickel. Bon, bah, ça marche bien, écoutez. Bon, c'est setup un peu l'arrache, hein, juste histoire de dire que ça fonctionne quand même un petit peu. Juste pour ça. Et donc avec ça, on devrait pouvoir crafter quelques uraniums là 235, on pourrait les mettre à enrichir. Enfin pas 235 mais les trucs. Bon faut que je comprends. Ceux-là. Voilà. Ah oui, genre. Y'a dommage. Du coup il va falloir la blinde de fuel rod en fait. Hein. Iron. Je crois que c'est avec les tin casing que du coup tu les fais, c'est ça? Suivant pas. Comment tu faisais les rods? C'est avec les plates. Ah oui, c'est un pour un. Ah, c'est cher. Hein. Cher Samir.
Bon, aujourd'hui, du coup, déjà, il faut qu'on finisse ce qu'on avait fait hier avec la production d'énergie. C'est-à-dire, bah, mettre les générateurs, du coup. C'est pas mal. Parce qu'on a les machines, mais on n'a pas les générateurs. Et puis, c'est pour ça qu'il fait du bedrockium. Je crois qu'on avait ce qu'il fallait au final. Hein. Et après, on va voir surtout pour creuser la salle. Hein. Et pour automatiser Applied. Hein. Bon, en vrai, du coup, ça, il m'en faudra deux stacks en plus. Hein. Il m'en faudra deux stacks en plus. Faut que j'aille recharger ça d'ailleurs. J'aurais une petite question sur les maps packs. Ton processeur utilise beaucoup, c'est la RAM qui prend beaucoup. Bah, écoute, je vais te dire ça tout de suite. Alors en fait, sur les vieux maps packs, c'est un peu différent parce que je sais que par exemple, si jamais je vais à côté de la query quand je la lance, c'est la carte graphique qui prend tarif. Voilà. Mais ça le fait qu'avec la query. Mais là, en gros, actuellement, mon processeur est utilisé à hauteur de 8%. Ma RAM, il y a 3 Go de RAM qui est consommée et ma carte graphique, apparemment, ça serait utilisé à hauteur de 10%. Tu vois. Et ça dépend des versions en vrai. Ça dépend vachement des versions de Minecraft. Hein. Parce que l'optimisation n'est pas du tout faite pareil selon les versions. Et ça dépend surtout des mods. Hein. Ça dépend de ton pack hein, énormément. Donc, ouais. J'aurais de la RAM en vrai, mais pas un super proc, donc j'ai peur de lag sur les modpacks. Hein. Mais après, ça va. En fait. Putain, mais j'ai pas de cap d'énergie. Si j'ai des caps d'énergie, mais c'est quoi le délire là? Y'a un truc que je capiche pas, pourquoi j'ai pas d'énergie qui rentre? Ou alors si je tire trop d'énergie? Et dans quel monde je tire trop d'énergie? Y'a une petite couille quelque part! Y'a une petite douille là. Pourquoi j'ai si peu d'énergie? On dirait qu'il est pas câblé le truc. On dirait surtout que mes générateurs sont à 0 de prod alors que. Consomme combien toi le bougre ici là? Ouais, 700. Ok. Après, il y a les machines qui consomment là-bas. Ah non, mais en vrai. Non, mais c'est logique. Je pense qu'en fait là-dedans, je consomme du 8000. Plus l'iridium qui me consomme du 4000. Ouais, en fait c'est juste que là je me fais sucer comme Jaja quoi. Là le souci. Je pense qu'une fois que ça s'est stoppé, c'est stoppé quoi, mais parce qu'en fait vu que c'est du 2048 EU par tick, ça fait du 8000 RF. 8000 RF c'est ce que je produis déjà. Tu rajoutes à ça Iridium qui me pompe du 4000 RF, ça fait 12000. Tu rajoutes à ça Applied qui me pompe du 700. Tu rajoutes deux petits trucs à gauche à droite là qui me pompent un peu aussi. Bon, déconnant. T'as pas une query? Bah, la query elle est stop. Hein. Non, mais en fait, ça produit, c'est juste que j'ai pas assez. Ouais, c'est pour ça, faudrait qu'on fasse les culinaires régénérateurs là. Faudrait qu'on booste la prod en face là. Parce que ça commence à être la merde. Ouais. Go chauve-souris. Je te fume. Parce que, attends, les cucules. Hein. Les cucules, on en a combien? On en a 384, donc ça c'est bon. On avait fait les nodes. Hein. Le problème, c'est que les nodes, je les ai fait que pour upgrade les cucules en tier 2. Oui, il m'en faut pour avoir vrai. Donc là, si je fais ça. Oui.
Et du coup, il me faut 6 fois ça. C'est ça? Ça le délire? Ouais, alors attends. On va faire les dingues. Ah, j'avais gardé les rubber boots. Très bien. Ah, ça joue pas à grand chose hein, la quantité de plutonium que j'ai. Hein. Vache. Donc ça c'est bon. Mais alors ça se cuit dans quoi déjà? Dans à peu près tout sauf le four en fait de thermal quoi. VH bientôt ou pas? C'est quoi VH? VH. Ça marche là-dedans? Oui. Ah puis l'avantage c'est du coup je récupère pas dans l'inventaire. Hein. Parce qu'en vrai tout bonnef ça m'évite d'être slow comme jamais. Quoi que je dis ça, mais de toute façon il va falloir que je les récupère pour les mettre là-dedans. Vault Hunter? Qu'est-ce que c'est? Ah le modpack que fait Smithies en ce moment? On le ferait. C'est moi le prochain pack après que je fais, hormis le truc qui est prévu en septembre, ça serait Astropolis je pense. Le truc qu'avait fait ML sur YouTube. Et tiens, faut qu'on aille remettre la query aussi. Il reste combien de queries à mettre? Il nous en reste deux. Avant de redéménager. Faudrait presque en vrai que je vois si j'en fais pas deux d'un coup des queries. Comme ça, à chaque fois, on les met deux par deux. Ce qui fait qu'en vrai, bon, j'ai déménagé deux fois plus souvent, mais j'ai deux fois plus de ressources qui arrivent aussi. Pourquoi ça consomme deux fois plus d'énergie aussi? Astropolis avec les avos? Ouais, en vrai, on peut faire un truc ça, mais en vrai, faut voir. Après, le truc, c'est que c'est un. Je sais pas, il est dans quelle version le pack. Voir si des gourmands ou pas en fait. Ça, il m'en faut 6 fois 4. Ça nous fait 24. Faut 96 nodes. Et du coup, il faut 96 gold. Et normalement, il nous faut du coup 24 trucs. Comment ça s'appelle hein? Ça. Voilà. C'est bien ça, hein, faire les nodes. Ouais. Ok. En soi, je pourrais mettre mon armure. En fait, le truc, c'est que je sais pas si le Bedrockium il est radioactif. On va y tester. Mais en plus, on va voir. Je suis content que des faits vont lancer un sort bientôt dessus. Bah, peut-être, hein. Peut-être, hein. En vrai, moi, ce qui me fait un peu chier, c'est que là, cet été, y a rien en final, quoi. C'est chiant, quoi. C'est la période où tu te dirais, y a plein de trucs et tout, enfin. T'as envie au moins qu'il y ait un savoir, tu vois, mais bon. Enfin, en fait, il devait y avoir un truc. Le problème, c'est que c'était un peu. avorté, on va dire. Paf! Merde. Nickel, hein. Bon, ça va faire les 24 trucs. Ensuite, comme ça, on les fait après, on les assemble avec le Bedrockium. Et ça sera tout bon. Et normalement, comme ça, on pourra du coup compacter encore plus nos cunes de régénérateur. Je pourrais déjà les mettre comme ça en vrai, les générateurs. Hein. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Le problème, c'est que bon, il y en a 48 à poser, il y en a 48 à câbler. Donc, c'est pas le même délire, c'est pas le même coup. Après, Bedrockium, c'est pas donné non plus. Donc, Pipim. Ah, ça m'a validé la quête, tiens. Qu'à faire? C'était où? C'était là. Nice. Mais ouais, ça pourrait être sympa de refaire un truc sobre. Ça pourrait être sympa. Ça, on va pas être 50 non plus, donc. Après c'est pas tant le nombre de personnes après souvent qui est problématique en plus sur un skybox c'est plus après que les gens fassent pas fassent pas un setup un peu cassé quoi, qu'ils fassent pas une ferme à mob hein, sans avoir la gestion des items derrière tu vois. C'est ça quoi. C'est forcément ça marche pas bien. Bon faudra peut-être qu'on rajoute encore des lasers hein, parce que
Après, est-ce qu'on va être amené à vraiment faire énormément de craft là-dedans? Je sais pas. On va être amené à traiter beaucoup de ressources dans le QED quand on aura les laser drills. Parce que justement, on... genre en fait, l'iridium, tout ça, même le dash en vrai, si jamais je le récupère à ce stade, tu vois, c'est. Genre de ressources qu'on peut. Un petit peu là-dedans. Le mana infuse, c'est pas du shiny ça, normalement. Oh, ça peut pas servir à grand-chose. Hein. Mais ouais, quand on aura de l'iridium, là, du coup, en minerai tel quel, hein, on passera là-dedans, je pense. Après, si elle sort. Ou alors, c'est le shiny que je vais passer là-dedans, je sais plus, parce que l'iridium, il a peur d'y être. Ouais, le shiny, il passe là-dedans. J'aurais pas d'iridium. Hein. Ouais, non, l'iridium passe pas. Et de toute façon, le problème de passer l'iridium là-dedans, en plus, c'est que je te retrouverai peut-être avec des lingots, quoi. Et moi, c'est pas les lingots que je veux, en vrai. Faut que je le mine à la main, l'iridium, quand je l'aurai. Si jamais j'en ai un jour. Ouais, le dash, en vrai, t'en fous parce qu'il y en a plein sur Mars. C'est pas un souci. Il y a littéralement partout. Il y a quoi, du coup, comme truc survie des générateurs, Fionnay générateur, Nether Star générateur? En vrai, le Nether Star générateur, il... Ah oui, mais ça c'est extra U2. Moi je extra utilise pour. Pas si c'est les mêmes stats en fait sur l'extra U2 maintenant que. Attendez, dans cette part. Ouais, attends, j'étais sur la bonne page en vrai. Ah, ça c'est la bonne page. Ah non, add by. Ouais, bon, je pense c'est pareil. Hein. Putain, mais il me dit pas combien ça produit ce con. Production 40 000 RF par tick. Ah, mais pendant combien de temps? Pendant 20 secondes? Pendant 120 secondes? En fait, faut voir si ça me coûte plus cher en énergie de créer ma Nether Star ou pas. Ma Nether Star va me coûter 600 millions d'RF. Non, même plus, attends. Combien? Ah non, elle me coûte 1 milliard d'RF ma Nether Star. Je sais pas si elle m'en redonne 1 milliard en échange, tu vois. Un petit doute. Ah non, une Nether Star c'est 10 millions de ref. Ah oh bah nique sa mère. Oh, pas de prod d'énergie comme ça. Ou en tout cas, pas avec des Nether Stars qui sortent d'un molécule à rassembleur quoi. Ce sera pas le truc le plus rentable quoi. J'ai toujours la flip hein. Dès que je retire cette armure là. Toujours peur en fait qu'il me reste un truc irradié dans l'inventaire et que je me fasse niquer quoi. Un enfer. Bon, on en est où? Ah ouais, ça remonte hein. Putain, ça remonte faiblement quand même hein. On a quand même pas un gros surplus de prod hein. Pourquoi c'était pas linéaire? Pourquoi le harvester on dirait qu'il fait grève surtout? Non? Ah non, ce chien il est full en fait ce con. Attends, il a besoin de si peu de blé que ça parce qu'avant j'avais l'impression qu'il avait quand même besoin de beaucoup plus de blé. Non, on dirait qu'il récolte rien comparé à avant. Un truc qui est pro net. Hein. Ah, mais c'est parce que. Ok. C'est pas le problème. Hein. En gros, machine, pas assez d'énergie. Pas assez d'énergie. Donc, va pas assez vite. Hein. Ah, mais attends, en vrai, il me faudrait bien plus de toast que ça pour les relancer. En fait, c'est un peu le truc qui se mord la queue, c'est un peu con comme truc. Et ça veut pas relancer en plus sur ton énergie. En vrai, tu veux pas remplir plus? Pour l'instant, ça va vouloir partir là-dedans. Allez, tu sais quoi? Pour l'instant, on s'en fout de là-bas, juste restock ici, et comme ça ira beaucoup plus vite et ça produira beaucoup plus. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre une sorte de priorité en fait, mais il n'y a pas de priorité avec ces câblages. Parce que là, du coup, ça va restocker à fond. Ça, c'est bon. En fait, les machines de thermal, elles fonctionnent en fonction de leur stockage. Donc, si elles sont à moitié remplies, elles vont pas travailler à vitesse max. Et fait, du coup, tu es dans l'os.
Mais il est pas en Round Robin ce connard en fait. C'est ça le problème. Hein. C'est lui qui donne pas un partout en fait, il se fait niquer. Ouais, le Round Robin en fait est mandatory sinon ça marche pas. Très bien. Ouais, me régler. C'est qu'en fait, vu que j'ai cassé le câble, en fait, si tu mets pas en Round Robin, il va faire. Il va... En fait, il va bourrer les deux ici en priorité. Et il va pas vouloir aller à gauche ou à droite. Hein. Et il faut vraiment qu'en fait, il les nourrisse tous uniformément, sinon c'est la merde. Hein. Ok. Bah du coup ici ce qu'on va faire c'est que pour l'instant on va retirer ce câble là. On va poser le générateur. On va mettre insert partout. Bah c'est pour ça que j'ai un problème d'énergie, c'est qu'en fait bah déjà j'avais deux générateurs qui tournaient pas. Donc bon. C'est Candel, comment ça va? Et en vrai, là ce qu'on va faire c'est qu'on va split la bouffe en 6. Ouais, attends, c'est deux split en 6, je crois. Voilà, comme ça déjà un peu partout. Ouais, surtout qu'en fait j'ai du blé à donner. J'ai du wheat, hein. Ouais. Voilà. Comme ça devrait remplir partout là. Ouais, faut, en gros le setup faut juste l'aider un petit peu à la main au début. Et après normalement ça devrait aller quoi. Une fois qu'il y a un peu d'énergie de stocker, de toute façon on devrait pas y avoir tout aussi vu que c'est en round robin, donc là je pourrais déjà lancer le truc quoi. Oh. Taf. En vrai ça vide même pas le stockage interne du coup des machines. Et un petit peu, ça vide genre ok si. C'était jetant que ça tombe dans les premiers. Et normalement ils ont bien tous du pain quoi. Et là, on a un bon bénéf hein, d'énergie. Voilà. Là, ça prod. Hein. Là, ça cause. Hein. Ouais, 15 000 RF pratiques, ça va être se remplir. Hein. Pas simple, c'est le week-end pour énergie. Tu peux pas simplement faire du in-out énergie pour être sûr que les machines soient full. Hein. Comment ça, du in-out? Non, en fait, le problème d'énergie, en fait, les machines, elles envoient pas d'énergie. Elles, les machines, quoi qu'il arrive, elles prennent l'énergie. Ah, après, tu veux dire in-out là-dedans? Sert à rien parce que en fait non ça fait des boucles et les boucles ça te suce l'énergie à l'infini en fait. C'est faut vraiment pas faire de boucles avec ça, c'est le pire truc. En fait ça void de l'énergie, elle disparaît. Il vaut mieux avoir deux transceivers différents. Si tu fais sur le même ça fait n'importe quoi, c'est de la bite. Mais non non en fait le souci que j'avais c'était vraiment que lui il était pas en round robin. En fait en gros là je suis vraiment au pixel près presque en termes de prod, c'est-à-dire que je produis vraiment à la vitesse qu'il faut. La quantité de pain pour 6 générateurs en fait. Et je suis peut-être toujours à 1% de surproduction, tu vois. Mais le souci, c'est qu'en fait, si le pain, au lieu d'aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de temps en temps il va là, là, là ou là, bah en fait, t'as 4 générateurs qui sont un peu bancales et ceux-là qui sont tout le temps full. Et du coup, vu que c'est pas régulier, après il va donner, peut-être qu'il va donner deux fois ici, puis une fois là, puis à nouveau deux fois là, puis là. Et pendant ce temps-là, lui, il a toujours rien, et vu qu'il a toujours rien. Il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter le reste en fait tu vois. Enfin c'est voilà. Pour peu qu'en fait moi derrière je tire de l'énergie c'est la merde quoi. Et c'est Glintech, comment ça va hein? Et lui il est... Il y a quand même un générateur qui est border hein, c'est... Ah il y a déjà plus d'énergie ici. Putain. Mais alors il y aurait plus d'énergie avec quoi? Il y aurait plus d'énergie en fait, c'est le temps que ça relance là-haut. Ouais, c'est pas clair ici hein, ce qui se passe. Hein. C'est pas clair. Hein. En fait, depuis que j'ai bougé le setup, c'est tout cassé. Hein. Pourtant, il est bien câblé. Ouais. Pour récolter plus vite le champ, la moitié du blé est mûr constant. Non. En fait, la moitié du blé est mûr constamment parce que j'ai pas besoin de blé en fait. C'est juste ça en fait, c'est qu'en gros, niveau blé, je suis full. En fait, c'est bizarre, c'est que le. Ah, le problème, on l'a ici aussi.
fait, je pense que le souci, on va l'avoir le temps que ça remplisse ça. Et une fois que ça sera full, ça ira mieux. Mais. Quand space. Hein. Quand space. En fait, le problème, je pense, c'est qu'on utilise des machines thermales. Honnêtement. Et que si les machines thermales sont pas full d'énergie, elles vont pas à la vitesse max. Et il suffit qu'il y ait un tout petit, toute petite couille. De rien du tout. Et ça fout la merde. Ouf. Bon, ça marche, hein, on produit de l'énergie, hein, c'est juste que du coup. Bon, attendre que ça se remplisse à fond, quoi. Donne-moi ton code Pokémon Sleep, je vais voir les gens dormir. Hein. Oh, bon, code Pokémon Sleep, ouais. Même Powerbank à côté du four, le temps de remplir le stockage. Hein. Ouais. Non mais ça va rien changer en fait. Tiens, je suis trop deck cette nuit, j'ai eu un Evoli. Et ce bâtard, je lui donne 2 biscuits. Donc le gratos, c'est un biscuit normal. Donc il a 4 sur 5 d'amitié. Et il a plus faim. Du coup, bah, j'ai dans le cul. J'ai pas eu mon Evoli. J'ai eu un vieux Ramolos de merde à la place qui était affamé et qui crevait la dalle. Comment on voit le truc là? Menu principal, groupe de recherche. Il est là-dedans? T'avais un Riolu de Star, mais le tuto a décidé que je vais prendre un Carapuce, c'est tout? Ah ouais? Chier! Moi j'avais un Pichu, moi. J'avais un Pichu. Voilà, j'avais un Ramolos de Star, mais il m'a pris le Ramolos Star. Copier. Ça y est, recherche et t'as copié d'un préceptif d'autre appareil. Nice. Attends, t'es où sur Discord toi? En vrai, d'ailleurs, ça sert à quoi de s'ajouter en ami sur le jeu? T'as des avantages? Zintech. Hop. Olé. Voilà. Mais c'est bizarre cette histoire d'énergie, ouais. Ah bah là, ça remonte! Et vu que ça va remonter, ça va produire plus, et vu que ça va produire plus, ça va remonter. Je cherche la logique. Et pourquoi ça remonte d'un coup en fait? Bouclide. Bouclide. Et en passe, c'est comment? En passe, c'est moins bien. Mais il suffirait de refaire ça pour que tout soit réglé en 2 secondes, hein. En 2 secondes, peut-être pas, mais. Peut-être ce qui est trop bizarre, c'est que lui il pompe tellement d'énergie que. Part dedans forcément. Et après ça partira plus là. En fait, pour l'instant ça va, tu vois. Pourquoi du coup d'un coup ça baisse? Et le temps que ça suce sa vie de stocker le truc? Bon. Cette nuit, si je dors 15 heures, si je me réveille pas avec un Dracof 6 étoiles, je retourne dans le coma. Con. Bah moi cette nuit j'ai dormi, j'ai eu 98 points là. Mais en fait vu que mon Ronflex il est un peu éclataxe pour l'instant, bah, malgré ça j'ai eu que 5 Pokémon qui sont apparus je crois, dont 1 2 étoiles tu vois. Mais mon Ronflex il avait pas encore beaucoup de dodo force donc bon knick. Du cul mon Ronflex hein. T'as quoi d'être à 30 000, un truc comme ça? Bon, en tout cas, on produit plus qu'on consomme, hein, même si c'est bancal. Hein. Après, je pense qu'en fait, là où c'est good, c'est quand vraiment t'as les générateurs qui sont full en stockage interne et ça peut gérer le truc, quoi, mais. Hmm. 30K le Ronflex là? Ouais, il y a 30 000 au Ronflex là. Bah je nourris à chaque repas. Non hier j'ai loupé un repas, je me suis fait niquer. Bah tiens d'ailleurs faut que je nourrisse là mais. Et hier je me suis fait niquer un repas. En fait j'étais habitué à ce que l'horaire soit pété et qu'il y ait une heure de retard. Hein. Et en fin de compte ils ont réglé le truc et du coup hier je suis arrivé à 18h30. C'était déjà l'heure du dîner. Il est à 11K là chez toi. Chez. Bah après je joue depuis la sortie du jeu hein, donc j'ai eu le temps de nourrir depuis. Hein. J'ai déjà fait 3 ou 4 nuits, je sais plus.
Quel jeu parle-t-on avec mon flex? Pokémon Sleep. Où le but est de dormir littéralement. Voilà. Bon d'ailleurs on est comment là-dedans là? Niveau diam, ça a augmenté ou pas hein? Absolument pas, ça a baissé. On a utilisé? Peut-être. Kéo! Enfin, il est horrible, à chaque fois on en a 500 carrés en plus, hein. C'est. On commence à faire beaucoup. Là, niveau flint, on est comment? Pas très stonks. Ouais, on en a récupéré un petit peu, mais en fait, on consomme plus que j'en récupère, donc c'est chiant. On va lui remettre une courrie d'ailleurs, tant qu'à faire. Hop. Ah ouais, je sais pas comment régler ce souci. En fait, il faudrait presque que j'ai un stockage d'énergie à côté de mes machines et qu'il soit après redédié uniquement aux machines. Je sais pas. Ouais, en fait, j'arrive à splitter une partie de l'énergie et. Ou limite qu'il y ait un de mes générateurs là, l'énergie qui est produite, à part uniquement pour les machines. Je sais pas. En vrai, attends, je pourrais tester ça. Y'a pas genre un des générateurs en énergie, mais je crois pas que tu puisses mettre un code couleur d'énergie. Merde, c'est pas par là. Je crois pas que ça marche. Ah, énergie, t'as pas de code couleur en fait. Vas-y, t'as un. Ah non, c'est signal de redstone toi. Signal color. Ouais, mais c'est pas les channels, ça n'a rien à voir. Fuck. Ou alors, fallait que je déconnecte ici, en énergie, et que je leur connecte juste sur les machines là, quoi. Enfin, plutôt derrière du coup, quoi. En gros, faudrait que j'ai ça. Comme ça. Je claque ma wrench. Je fasse ça. Et du coup, 100% d'énergie est transférée dans les machines ici. Ça me fait perdre un poil en prod d'énergie, mais au moins je suis sûr que mes machines tournent à fond. Peu importe la consommation d'énergie que j'ai, quoi. Et en vrai, je peux même le faire du coup pour aller là. Peut-être qu'il aurait fallu que j'aille ça même encore différemment, mais. Ouf. Il va alimenter lui aussi, mais. Bon, après, le harvester pour ce qui concerne, normalement, y'a pas de soucis. Mais. Le souci, c'est que du coup, j'ai un générateur qui fonctionne entre guillemets pour rien, quoi. Mais au moins ça fonctionne si je tire l'énergie. On va faire ça. Hein. Le système D, mais tant pis. Hein. Voilà. Et là, du coup, la prod devrait monter. Le temps que ça balance un peu à tout le monde. Après d'un côté en fait je perds quand même 3600 RF tu vois donc de prod hein. La Ferrus B il est en 3-3. Je pense que ça va bientôt arriver en 3-3. Pourquoi je produis moins qu'avant? Tout à l'heure on était à 15 000. Ah mais je pense que c'est parce que le générateur était full hein. Et là ils ont pas encore du pain en permanence les générateurs, j'ai l'impression. Ça commence à arriver mais Ouais. Hypoclite. Bon en vrai nique, je vais remettre comme c'était puis basta. Redonne mon énergie conducteur. Hop. Et en fait, avec 14 000 affichés, c'est quand les générateurs sont full et c'est le temps que ça parte. Ok. Pour ça. Bon, en fait, là, tu vois, j'ai un générateur qui se vide à fond et ça remplit pas mes machines. C'est une dinguerie comment c'est bugué, hein. Si je mets rien et que je suis pas en push, peut-être que ça a plus le temps de laisser mes machines se remplir. Non, c'est peut-être le temps que je désactive le truc, mais.
Merde. On va tout casser, oh. Allez. Non, on n'a pas extracté. Non, allez! Oh là, il a laissé tout péter là. Là, c'est fini. Bon. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Fait, c'est bizarre que lui, il me semble plus que ça ne veuille partir dans les machines, quoi. Osef, hein. Bon, l'abeille. Hein. T'as écrit des trucs qui étaient chelous à l'époque. Hein. C'est le genre de soucis que tu rencontres pas maintenant, ça, tu en modé, je sais pas, c'est un peu mieux optimisé la répartition des trucs. Hein. Allez, hein. Bon, elle est en 3-3 full féroce. Déjà en cause. Hein. Alors, elle a moins de tolérance au climat, mais. De toute façon, elle a pas eu toute tolérance au climat, donc en vrai. Et un 3-3 féroce industrios, quoi. Hop. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, tous les drones là, avec quoi je croise, ils sont 3-3. Donc en fait, j'aurai le 3-3 sur le féroce. Donc ça, c'est quand même giga cool. Ça, c'est quand même déjà tout bénef. Hein. Par contre, du coup, j'ai plus de bouffe en fait avec cette histoire. Encore des toasts? Ouais. Oups. Ouais bah non on va aller à la courir hein. Pourquoi je redescends. Mais du coup ouais comme ça en fait la Firou sera en 3-3 et même si du coup je fais les croisements derrière j'aurais pas mal de drones quoi, je serais pas embêté avec ça. Ah, j'ai pas pris Landmark, le con. Alors Landmark, il nous en faut 3. Il faut un petit levier. Et normalement c'est tout bon. Et du coup la query on va se la mettre où on va se la mettre là hein. C'est un bloc là. Ça je récupère, ça je récupère. En vrai je pourrais réutiliser, en fait je suis gros con, je pourrais utiliser ce qu'il y a déjà là. Je pourrais utiliser ça et du coup juste je pars à gauche quoi, à gauche bien. Voilà. Enfin, plus de blocs par contre. Ah, elle me tite la musique là, faire tout du tout tout. Quel enfer. De molocrane. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils mettent un truc vertical en fait. Après, je sais pas si c'est. À quoi c'était dû. Enfin, je sais pas à quoi ça sert surtout. Voilà. Donc, avec ça. Yel. Yeah, on a plus besoin. On pourra se mettre à petite courir devant. Et là, normalement, le stream va bientôt freeze. Ah, mais en fait, là, il n'y a pas de problème. C'est pas les lasers le problème, si. Ah, c'est quand même pas très fluide pour vous. Ouais, non, c'est pas fluide du tout. Je crois que c'est pire quand je fais ça. Ah, ouais, non, là, c'est un enfer. Bon, on se casse. On se casse. Je sais pas, c'est développé avec le fion, ce truc. Hein. Ça me bouffe toute la carrière graphique, en fait. Ok, ouais. Oh bah une autre courrier de lancer, ça c'est good. Et bah je pense que ça va être l'heure d'aller partir pour faire la salle d'apply dans. Alors le truc c'est qu'il va me falloir la blinde d'un scribeur. J'ai déjà vérifié avant si j'ai ce qu'il faut pour en crafter. De toute façon il faut pas de. Oui non mais si j'ai forcément ce qu'il faut pour le crafter parce. Ouh. Oh non j'ai pas ce qu'il faut pour les crafter. Putain j'ai ni les météorites. Ni les frames. Bon les frames ça peut se régler. D'accord. J'ai pas les overclock non plus. Ouais. Bah en fait vu qu'il me faut la blinde de Meteoric Iron, on va peut-être partir sur autre chose pour aujourd'hui. On va peut-être partir sur les laser drills je pense. Et l'automatisation des solar panels et tout pour pouvoir alimenter tout ça. Parce que là ça va pas être possible. Ouais. Ça va clairement pas être possible. En fait faut que j'aille AFK sur la lune hein, en gros. Donc c'est pas un truc que je fais en live. Bah limite à son soir je vais au resto. Donc du coup je me mettrai sur la lune pendant ce temps là. Si je crève nick. Normalement ça devrait aller. Au pire je prendrai un gros capacitor de 50 000, enfin de 25 millions là avec moi en énergie pour être sûr qu'il y a assez d'oxygène mais...
ça devrait le faire. Ouais, parce que ouais, en fait, ça, bon, c'est pas tant les autres ressources, ça va. Alors, l'émeraude, je peux toujours trader avec les PNJ. On est d'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Et ça pue du cul, mais ça peut se faire. C'est quand même 4 Enderium par résonante. En vrai, je veux combien de dans Scribber, moi? En fait, faut que je calcule parce qu'idéalement tu veux 3 fois plus d'un scribeur de gold qu'un scribeur de pur. En fait, en gros, le ratio c'est 3 gold, 1 pur, 1 diams. Donc, genre, je peux faire 12, 4, 4. Je fais 20, mais c'est pas symétrique donc c'est chiant. Je peux faire 15, 5, 5, ça fait 25, ça commence à faire beaucoup. 9, 3, 3, ça fait peu en fait. Quinze cinq cinq, c'est pas mal parce que ça permettrait de répartir des 15 au milieu, 5 à gauche, 5 à droite. Hein. Ça ferait 25, sachant que ma salle, je veux la faire de 29 de large. Pas mal. Hein. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il me faut 25 inscribeurs au milieu, 25 inscribeurs en bas, 25 inscribeurs en haut. Parce que j'en ai 25 pour le silicone, 25 pour les circuits et 25 pour assembler le processeur. Après le silicone, est-ce que j'en ai vraiment besoin de 25? Parce que le silicone, en fait, en gros, il va être crafté à l'avance. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Comment vous le montrer? Elle est dans la salle du fond, là. En fait, ce qui va se passer, si je prends de la cobble... Donc en bas, j'aurai ma ligne d'assemblage de silicone. Au milieu, j'aurai ma ligne d'assemblage avec les circuits. Et encore au-dessus, j'aurai ma ligne du coup d'assemblage avec les autres trucs. Et en fait, donc ça, le silicone, il va être produit en permanence dedans. Parce qu'en gros, tout en haut, la ligne d'assemblage finale, hein, ce que je ferai, c'est que je vais par request, comme quoi il faut un truc de silicone, de la redstone et un truc de diams, de pur ou de gold ou autre pour faire mon processeur. Je vais se dire qu'en gros, un gold égale un processeur, par exemple. Et en fait, il aura juste à lancer l'action du coup dans un des trucs là-dedans où il fera le gold, le diams ou autre. Hein, et après, ça partira là-haut parce qu'en fait, j'importerai en permanence dans mes inscribeurs du haut le silicone crafté et la redstone. J'aurai une crafting. Comment ça s'appelle l'upgrade hein, cette merde. J'aurai une crafting card en fait hein, dans un export bus relié à un. Mais que dans les exports de ça? Ouais. Ouais, en fait, j'aurais ça relié du coup contre. C'est peut-être un exporteur. Mais attends, t'as pas les importeurs-exporteurs? Attends, sur le grand bugle là. Ah non, c'est export bus, c'est import bus du coup le truc? Ouais. Ah non, et l'autre c'est storage bus. Attends, c'est pour ça que non, c'est pour ça que je buguais. Okay. Donc oui, donc j'aurai un export bus en fait relié sur un drawer de 2 par 1, comme ça je mettrai mes deux ressources dedans, je mettrai de la redstone et mes trucs de silicone. Et en gros de base normalement c'est censé stocker combien? 16 stacks de chaque. Donc ça me stockera comme ça déjà 16 stacks de silicone déjà fait et 16 stacks de redstone. Donc l'avantage c'est que même si j'ai moins d'inscribeurs de silicone, j'en ai quand même 16 stacks qui seront toujours prêts à l'emploi. Donc avant d'avoir déjà besoin de 16 stacks de silicone pour faire des processeurs, j'ai le time. C'est pour ça que c'était un peu overkill mon nombre de processeurs là. Sinon je fais 6-3-3. Hein. 6-3-3, ça me fait 12. 12 en haut. Et 12 en bas, vas-y pour le silicone, tant qu'à faire. Je sais pas. Parce qu'après, en fait, certes, les trucs de gold, il en faut quand même 3 fois plus pour les disquettes. Mais si tu fais pas que des disquettes et qu'il faut d'autres trucs à côté, les processeurs et tout de pur sont quand même souvent utiles. Donc, mais 3 ça me paraît peu. Après, 3 ça reste toujours 3 fois plus que ce que j'ai actuellement et sera automatisé, du coup, ça les produira en permanence. Donc, ça va. Et au pire, j'agrandirai par la suite si j'en veux plus, tu vois. Je pense à la ferme à bois. Ouais, on verra après, c'est pas ultra important. Surtout que j'ai pas les ressources pour le faire en fait pour l'instant. Ça dépend par quoi je vais passer. Ok, ouais, bah je vois ça, je pense.
Et du coup, si je fais 6-3-3, ça me fait quand même 36 inscrivers, ce qui me fait quand même 72 météoriques iron. Après, en restant en FK, ça se farm. Ça se farm. Et du coup, 36 inscrivers. Bon, 35, j'en ai déjà un, on va dire. Il fait quand même 36 machine frame. Il fait quand même 144 Enderium. Mais leur alerte, j'ai pas ce qu'il faut. Avec 16. Niveau shiny, j'ai pas ce qu'il faut. Eh, niveau shiny, ça me fait 128 d'Enderium quand même. Même s'il n'y a pas de Firouz. Après, le shiny, je peux le faire. Hein. Plutôt que faire de l'iridium à la surface là. Je peux faire du shiny. Du gold, le foot dedans, j'ai du shiny et du coup Enderium pour me régler. La farming station ça marche pas pour le bois, pour la ferme à bois. En vrai si, c'est vrai que ce que j'ai là normalement tu fais du bois avec ça. En plus attends, j'avais pas un outil incassable que j'ai foutu dedans, bah il était encore dedans le venir. Je dis pas que c'est rayé parce qu'il y a de la flotte en dessous quand même. Bon. Alors attends. Où c'est que je peux poser ça tant que ça fout de la merde? Ça ferme le bois ça non? Peut-être. Ça peut fermer le bois ça je pense. En théorie, ça marche. Théorie. En pratique, reste à voir. Moi, bon. Bon, faut qu'on aille voir pour les laser drills du coup quand même. Alors, est-ce que je transforme et c'est un diamant. Ouh. Oups. On a repris. Connard. Il est fermé à bois. Oui. Je compte les fermes à bois pour l'instant. En fait, des trucs tout ça, j'aimerais bien les mettre sur des violentes et tout. Donc c'est pas pour l'instant tout de suite. Tu vois, j'ai pas envie de la foutre à un endroit ou pour que ça vire après quoi. Mais d'accord que c'est le gold qui fait du shiny. Hein. Ouais. Bon, shiny c'est bon. Enfin, ça sera bon. Après, j'ai juste peur que du coup ce con il me le reprenne. Hein. Le blacklist. Voilà. Pas de problème. Hop. Et bah ça va être parti pour automatiser les solar panels parce que c'est avec ça que je vais alimenter mes laser drills. Du coup, ça sera pas branché sur mon réseau actuel, ça sera branché sur un truc secondaire. Par contre, ça va me forcer à tout modifier du coup. Là-dedans, parce que forcément j'aurai des nouveaux minerais qui vont arriver. Ouais. Bah limite en fait ma laser drill. En fait, j'allais dire limite ma laser drill a fini là-haut. En gros, limite ma laser drill, je la relie sur cet endroit chest là et après je retraite ici. Le souci, c'est que je suis déjà un peu limité en termes de nombre de filtres. C'est-à-dire qu'en fait, il va quand même y avoir pas mal de nouveaux minerais. Donc au début, je pense à juste arriver dans un coffre et je vais voir tous les nouveaux trucs et je vais voir ce que je garde et ce que je garde pas. Parce qu'il y aura sûrement des trucs que je voudrais pas parmi ce qui sera produit. Et ce que je veux en plus, bah ça arrivera là ou là-dedans. Parce qu'il y a peut-être des nouveaux minerais aussi qui vont vouloir se faire traiter. Donc après ici j'ai de la marge, ici je pourrais ajouter un filtre en plus, tout ça, y a pas de souci. Et puis là bon je peux encore mettre un filtre là, un filtre au-dessus, un filtre en dessous, donc j'ai encore 37 filtres en plus de possible. Voilà, et au pire je rajoute un même ender chest comme ça après et on en parle plus. Hein. Je pense que je ferai ça. Ça me coûtera moins cher un ender chest en fait. Hein. J'aurais besoin de m'en crafter que un. Sachant que pour en crafter, il me reste quoi encore en Endorium hein. Il me reste que un truc de toute façon, donc j'ai pas le choix. Sinon j'ai plus. Donc voilà. Et déjà, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va commencer par refaire des patterns. Si bon. Et puis on va surtout travailler du coup les ender chests. Hein. Les solar panels, je veux dire. Solar panel. Donc, pour commencer par le commencement. Bon, ça. Il faut ça. Il faut que j'aille auto le vert aussi.
tout, vu la quantité de verre que j'ai. Ça pourrait être pas mal. Hein. Là, par contre, on va peut-être être sujet à être niqué d'un point de vue bit. Voilà. Parce que si jamais je veux crafter directement des gros panneaux solaires, hein, peut-être que j'aurais pas cette bit. Problématique. J'ai crafté le truc du milieu, hein. C'est bon. C'est pas bon, apparemment. Les steel nuggets, le steel. Le steel, le steel, le steel. Le steel nugget, j'ai pas auto-crafté ça. J'ai pas auto-crafté et j'ai peut-être pas assez de nuggets surtout. Enfin, de steel, lui. Le verre, je crois pas l'avoir auto-craft. Dans le verre, j'ai pas auto-craft. Bon alors. Ça. Ça va aller au milieu, ça va être utilisé quand même grosse quantité. Là, ça va aller là-dedans. Là, ça va aller là-dedans. Là, ça va aller dans un coin, parce qu'en vrai, les nuggets, tu les fais par 9, donc en vrai, tu t'en fous. On va même mettre dans un vrai coin, parce qu'en soi, voilà. Faudrait presque que je fasse plus de coprocessing unit là. Genre, je m'en crafte 5 en plus avant de commencer le gros craft. Sinon, je vais clairement pas utiliser toutes les interfaces, enfin, tous les molécules à rassembler à disposition, ça serait con. Mais on verra ça après, mais après, ça marche toujours pas parce qu'il me faut du coup Solar Core. Donc Solar Panel Tier 1, c'est bon. Solar Panel Tier 2, c'est pas bon. C'est marrant qu'il y ait des trucs qui marchent pour ça. J'ai pas vu, il fallait quoi pour ça? Des Inver Nuggets, hein. Non, ça faut l'automatise. Faut j'automatise. J'automatise ça et faut l'automatise l'Invar aussi. Est-ce que j'automatise en induction smelter vu que c'est facile à faire ou pas? Hein. Après, le smelter c'est pas mal quand même. Hein. Le smelter, le truc c'est que ça en fait plein d'un coup, je pense. Je sais pas. Hein. Je vais aller voir, c'est donc quoi le plus rapide? Hein. Genre, est-ce que c'est Ferrous? Enfin, est-ce que c'est Ferrous? Est-ce que c'est induction smelter ou est-ce que c'est le smelter? Comme machine qui est plus rapide pour les alliages. Hein. Alors là, si je lui donne 2 d'iron, 30 coke, ça le fait en combien de temps? Bon, ça le fait assez rapidement. Et là. Ok, bon, c'est ça qui est bien plus rapide. Très bien. On consomme plus d'énergie, mais c'est quand même bien plus rapide. Donc il me faut une interface que je mette derrière le smelt. Enfin, le truc là. Ok! Var, c'est bon. Ferrous, c'est bon. Iron, ah, qui est bon. Ah, ça en donne 3 de l'Invar, je crois. Non, attends, peut-être fait de la merde. Hein. Et ça en donne 3. Le con. Voilà. C'est ça qu'il faut gérer les quantités en fait. Hein. Parce que le signalum, c'est pareil, j'ai automatisé, mais. Je crois que j'automatise le signalum, je sais plus. Il faut que je fasse gaffe à ça. Non, j'automatise énergétique, mais énergétique, ouais, c'est un pour un, donc ça va. Ouais. Et du coup, on était rendu à ça. Deux électrodes aussi. Par contre, faire gaffe aux quantités, c'est un gros gros bait sinon. Je commence à en avoir moins besoin, donc je vais les mettre sur les côtés.
T'as vu l'aveugle. Voilà. Et donc là, on a quoi? Solar Core, sauf que c'est celui qu'il nous faut. Ça, c'est bon. Et du coup, il nous faut ça. Lead Nugget. Ma gueule. Putain, il a pas pris les bonnes nuggets. Ah, c'est pour quel craft qu'il a pris les nuggets? C'est pour le Slitstone Solar truc pro tu cul. J'aurais peut-être pas dû le chercher là-dedans. C'est ça? Tu viens pas. C'est ça. Il a pris les nuggets de Tomcraft. Ça, on est d'accord si je fais ça. Je m'utilise n'importe lesquels. Attends. Ouais. En fait, c'est pour autoriser à utiliser n'importe quelle variante, quoi. Bilibilibibouim. Ah, mais c'est peut-être pour ça, du coup, en fin de compte, que l'autre était capricieux et qu'il voulait jamais mettre les bons trucs comme il fallait, là, du coup, si je n'autorisais pas ça. Bah, redstone, comme ça, c'est. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Par contre, ouais, là, il commence à faire de l'endorium. Ça commence à puer du cul. L'endorium, je suis loin de l'avoir automatisé. On va tous les nuggets. Ensuite, on va automatiser Enderium Base. Donc, Enderium Base, c'est 2 tin, 1 silver, 4 shiny. Ding. 2 tin. 1 silver. Non, 4 silver, hein, 1 shiny. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore? Non, c'est 2 tin, 1 silver, 1 shiny. Ok. 2 tin. Un silver, un shiny. Et ça fait l'Endorium Base. Le truc, c'est que j'ai pas l'Endorium Base, on est d'accord. Ok. Faut que j'aille le crafter pour pouvoir faire le craft en fait, quoi. Shiny. Bon. Donc, on va les mettre dans le smelter pour le coup. Là, ça commence vraiment à autocrafter de partout. Hein. Mais en fait, c'est l'avantage, c'est qu'une fois là, par contre, qu'on aura fait tout ça, en fait, là, on se fait chier pendant une demi-heure à tout encoder niveau craft et tout ça. Après, je peux vous dire derrière, par contre, c'est la foire à la saucisse. Hein. Plus rien à faire et tout est fait automatiquement. Ça, c'est bon. Et derrière, donc l'Endorium, donc machin, ça va là. Puis, il faut 2 secondes d'Enderpearl qui vont là. Il faut du pyro. J'ai pas de pyro, j'ai pas de pyro, j'ai pas de pyro, j'ai pas de pyro. Pyrothéon. On va le crafter ailleurs. Là, ça te donne 2 Endoriums. Ouais. On est bon. Enfin, je dis comment faire le pulvériseur de colle aussi. En vrai, ça je passe par le pulvériseur, je pense. Bon, alors attends. Holy Smelter, ça c'est là-haut, ça c'est là-haut. Pulvériseur. Là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste à trier? Nugget dans un coin. Un coin qui a pas de nugget? Ah lui. Ça commence, ouais. Enfin. Ça c'est bon, donc solar panel. Parce que là, si je regarde au niveau des solars, donc ça, est-ce que je peux en faire un? Oui. Même temps ça va prendre. Bonne question. Un peu long à mon goût. Ah peut-être qu'il faut du verre. Hein. Ok. En fait, ça va être le verre le problème. Hein. C'est. Qui va prendre le plus de temps à faire. Hein. Donc après, il faudra que je demande un truc en.
trucs en Endorium. Déjà, s'ils si automatisent à ce tir-là, c'est pas mal parce qu'après. Arrête, tu me diras, c'est que du lapis, hein. On bat les couilles, hein. Mais qu'est-ce qui coince là? Je veux dire. C'est BP, comment ça va? Pam pam pam. Ouais, la verre faut qu'on fasse plein d'avance, mais là vu que j'ai déjà lancé le craft directement du Resonant. Et là on est déjà sur 25 000 bits, hein. En paix à mort, ça m'a détruit la jambe. Ah. Arrête, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait. Attends, ta 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 ta. Si, bah attends, je vais quand même faire du vert en attendant. Allez, commence à faire du vert. J'ai dit qu'il me fallait du moléculaire assembleur là. Enfin, des co-processing. Est-ce que ça, c'est pas chiant à faire? C'est pas chiant. On va le faire à la main. Ouais, c'est là. Hop. Et puis là. Hop. Ouais, ça va. Par pitié, dis-moi que je peux en faire 5. Bon. Que là, je peux en faire 5. Et le 8. Voilà. Oui, il n'y a pas la même couleur que le reste là. Raciste. Pourquoi il est offline? Je préfère. Je peux dire pour les solars, j'ai auto un résonant hier, j'ai bouffé un bon gros stock de sable. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon après moi je gratte à la demande le sable, ouais, je peux le griser. Eh par contre au niveau énergie ça va là-bas ou pas? Ah bah. Ah mais attends vu que c'est full les machines sont full. Ouais. T'es full? Ah, tout est full, trop bien. En même temps, niveau prod d'énergie, en fait, bon, qu'on s'amerdouille pas, on est bon quoi. On est sur du bon petit 15 KRF quoi. Et après, ça, bon, bah à terme, on va aussi rajouter 64K. Le problème, c'est que là, j'ai clairement pas les processeurs pour. Hein. Limite, on fera une ligne comme ça. 64K. Après, tout le reste sera que des coprocessing. En vrai, si tu fais déjà une ligne comme ça, ça te fait 5 plus 4, ça te fait 9. Ça fait 9 fois 64K. Et ça fait quand même encore 16 coprocessing units à côté. En vrai, c'est pas mal comme truc, hein. Ça ferait un beau motif. Je crois. Ce serait pas mal, hein. Bah, en soi, attends, je pourrais peut-être faire ça. Je peux directement balancer un. Power panel comme ça, là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ouais, 30 secondes, mon. 30 secondes, c'est sans compter la vitesse inexistante de mes machines, ça, c'est. Je veux bien, mais le four. Le plus rapide, hein. D'un côté, si tu fais du sable là-dedans. T'as les cubes par 3, hein. Ouais, ça pourrait kiff-kiff, quoi. Ah non, ça fait même pas du vert, ça fait du vert dégueulasse. Terrible, hein. Après je me dis par contre le four, un four d'industriel craft, ouais, quoi, il y a peut-être un monde où il est plus rapide, mais il y a un monde aussi où il bouffe beaucoup plus d'énergie. On serait plus sur du 8000 RF qu'autre chose, quoi. Bon. Il va me faire de la laine, hein. Parce qu'il me refaut des élévateurs. Je crois que j'ai refarm du coton. Alors, Ferus, Ferus. Ferus, Industrius. Ferus, Ferus. Let's go.
Par contre, elle a produit zéro ressource depuis le début. Vu qu'on fait les croisements, il n'y a pas un truc qui a pop. Enfer. Enfer, l'enfer. Alors, il est où mon coton? Il est pas mon coton? Ah, ça auto-refile pas, c'est vrai cette histoire. En fait, ça auto-refile pas si au moment où je le consomme, je suis pas dessus, j'ai l'impression. Attendez, on va essayer de rester dessus. Ah, c'est ça. En fait, c'est au moment où je sais pas si je le consomme et que la frame d'après, je suis pas dans le slot de la bonne mille, ça me l'ordonne pas. Faut que je fasse gaffe à la fin. Pas comme là. D'ailleurs, on pourrait récolter tout ça. Hein. Donc à faire. Hein. Bon, ça sera déjà bien, ouais, ça. Hop. Il me reste du soja là-dedans. Non. Plutôt fou. J'en ai plus besoin, ouais. Je pense que je vais refaire des générateurs avant un petit moment. Donc, on se fait un petit stack de laine. Voilà. Petit élévator. J'ai pas besoin d'un. Ouais, quoi. Est-ce que je mets des rotating elevators? Ouais, il y a deux types de rotating elevators d'ailleurs. En fait, la question c'est après, est-ce que j'ai envie d'atterrir dans un certain sens quand je suis dans la salle là-haut ou pas, quoi. En même temps, la salle là-haut va être très petite. Hein. Va être très petite. C'est pour ça que limite je pourrais les mettre là-bas, mais laser drill, le problème de les mettre ici, mais laser drill, c'est qu'après, bon, niveau câblage d'énergie, si mon générateur il est tout là-haut, enfin voilà. Là, j'ai envie de faire une petite salle en plus là-haut. Ouais. Après, est-ce que la salle je la fais en full anti-bloc blanc, les laser drill hein. Ça pourrait être marrant. Pas si marrant, le terme adéquat, mais. C'est pas une salle où on va aller très souvent. Et attends. Et que ça marche à l'envers, ça. C'est après là, la grande question. Et quelle hauteur je la fais ma salle? Et de quelle taille hein? Et est-ce que déjà j'ai de quoi la faire en fait? Enfin, est-ce que j'ai de quoi faire mes laser drill hein? Peut-être commencer par ça avant de vouloir faire la salle. Hein. Ah, mais il y a des zombies là-dedans! Lui est fumé. Non, il est pas là, il est ailleurs. Il est soit au-dessus, soit en dessous. Je sais pas. Bizarre. Hein. Donc la laser drill. Déjà je pense qu'il va falloir pas mal de plastique. Je vais aller chercher deux buckets là de rocket fuel. En avoir en rab de côté là. Oui. Hop. Tu auras clairement pas. C'est combien de la. Ouais ok, c'est deux par machine. Bon, c'est trop bien que ça remette le bucket automatiquement, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Donc il faut une laser drill comme ça. Y'a pas des quêtes pour ça? Tant qu'à faire, que je me fasse paniquer. Bon, il devait y en avoir une, mais ouais, j'ai déjà fait en fait. Vu que j'ai déjà crafté la laser drill ici, pour je ne sais plus quoi dedans. Sûrement pour la courir. Et donc, ce qui manque, c'est le glowstone illuminator. Et ça, c'est juste de l'illuminator frame que tu viens remplir de glow. Et il en faut pour ça aussi, ouais. Il faut 4 en plus. Et c'est combien de glow? Ah putain, mais attends, mais vu que mon magma transposer il est rempli de. Mon fil transposer il est rempli de glowstone. Enfin, de redstone, je veux dire. Ouf, faudrait que je le vide. Ah non, il est plus rempli! Oh ouais! Oh, j'ai dû tout perdre. J'ai dû tout perdre en le cassant. Donc si j'en ai 6, ça veut dire que j'en ai 24. Imagine. Absolument pas. C'est combien de glow par. Ah merde, c'était deux glowstone. Ouais, est-ce que j'en ferai pas plus? En me disant que de toute façon, plus tard, je serai sûrement amené à. Ouais, si.
sûrement amené à faire plus de laser drill. Hein. On sera stonks. On sera millionnaire. Donc une laser drill, une. Mais t'as sans presse, ça me servira aussi si jamais de faire des queries. Quoi? Il faut des préchargeurs pour faire les queries. Donc ouais. J'en ai éternu. Ah, ça ira. Qu'est-ce qui me manque? Non. Du pink slime. Beaucoup de pink slime. Peut-être pas me mettre là pour faire spawn du pink slime. Je vais me foutre dehors, ouais. Dehors. Ici, c'est plus alimenté en énergie, je crois, non? Bon, ici, encore le câble en énergie qui va jusqu'au spawner là-bas. J'aime plus si. Merde. Ah, il y a encore le câble, ouais. Je voulais. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais les taper, ça a creusé. Il est encore là, le câble. Hein. Bon, d'ailleurs, elle. Attendez, hein. Dégage. Un petit peu, je sais pas comment ça drop. On en a 20 déjà. Sinon, j'en faut 4x9. Donc, on va prendre un stack. Hein, j'en aurai un petit peu d'avance comme ça. J'ai mis morpho pour d'autres machines. Hein. C'est vraiment le meilleur truc, ça, de faire un spawner à pink slime. Hein. Dès que t'en as un, t'essayes par n'importe quel moyen de le capturer et de faire un spawner avec. Hein, c'est trop rentable. Sinon, c'est beaucoup trop chiant et trop long à faire. Hein. Quoique, même là, avec le spawner à vache, en vrai, ça allait. Hein. On a quand même pas mal de pink slime assez rapidement. C'est quand même chiant à chaque fois de devoir prendre le bucket et de devoir le poser au sol hein, pour aller faire spawn. Alors qu'une fois que t'as ton petit spawner, t'es tranquille quoi. Il est un peu fucked up le timer là. Voilà. Bon, ça suffira ça. Enfin... Parfait. Alors. Donc maintenant qu'on a le pink slime, on peut le crafter, on peut le cuire. Alors le cuir ça va être un peu plus chiant parce que du coup le four est pris. On va le cuire là-dedans. Il y a vraiment que ça cuise bien comme il faut. Ouais. Nickel. Donc on a tout ça. T'as plus qu'à faire la salle déjà, à disposer le tout. Je sais plus à l'époque les lasers ils te fumaient la tronche ou pas. Hein. Alors c'était pas recommandé de marcher dedans quoi. Un pu. Ça dépend des versions en fait. Comment ça va être la dort hein. On est déjà à la surface hein. En vrai là je pense que je suis bien pour y mettre le sol. Je vais mettre un petit peu de câblage dans le sol si jamais je veux. En gros, si je mets l'élévateur là, bah, par contre, je vais mettre dans l'autre sens. Béton noir. Non, je vais juste le mettre du coup comme ça dans l'autre sens. Tac. Voilà. Test? De quoi test? Ah, après, c'est peut-être pas mal en vrai si j'avais fait plutôt par là-bas parce que la salle. Hein. Ouais, non, c'est mieux en vrai. Par rapport au chunk loading, ce sera plus simple. Enfin, je me barre trop. Après, tu me diras, de toute façon, quoi qu'il arrive par là-bas, on aura les. Oui, non, en fait, on s'en fout. Quoique faut pas qu'après ça interfère avec la salle que je ferai pour les molécules rassembleurs, mais y'aura pas de raison. Oui non vas-y on creuse pas. En fait j'ai pas arrivé en étant entouré des trucs quoi. Ah oui test pour les lasers tu veux parler je pense. On va éviter hein. Pas de quelle taille on a fait cette salle. Pas rien de faire trop grand hein. Ceci par exemple j'ai mon premier laser qui est genre là.
transforme le premier laser, il est là. Main Factory Reloaded. Laser drill. Je vais regarder c'est quoi la distance. Je vais préciser, c'est très bien. One block apart. Ça veut dire un bloc d'écart. Ah bah y'a pas d'énergie là. Je peux me faire fumer si je passe. Puis il est genre là. Puis il est genre là. Il est genre là. Pas très grand comme ça, je vais creuser au moins un de plus ici. Un de plus là du coup. Water, je connais d'autres plus, je pense. En fait, c'est vraiment une mini salle hein, ici. Hein. C'est pas avoué être un gros truc. D'ailleurs, ça en est où mon solar panel? Ok. Bon, attends, je vais demander du sable, du verre. Voilà. C'est pas que ça fasse sûrement quelque chose, quoi. D'ailleurs, il va y avoir un truc sur Twitch, c'est quand c'est. Je sais plus. J'ai déjà oublié. C'est quoi, c'est Glitch le nom du site là? Glitch XP? Connexion. Oh, on piche les ces petits lacs du cul. Bon, bah tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure le site. Hein. Ah, c'est bon. Ouais, donc du 4 août au 13 août. 14 en gros, mais 13 août à 23h59 quoi. En fait, il y aura y a plus de détails trucs. En fait, il va y avoir une sorte d'event en fait sur Twitch en gros, et en fait, il y aura des paliers et chaque sub et don en bits rapportera en fait un nombre d'expérience et tous les certains nombres d'XP en fait, il y aura des récompenses quoi. Je crois que genre à 5000 d'XP, il y a une carte cadeau Amazon de 5 euros, etc., etc. Et après, plus tu montes, plus tu vas avoir des trucs intéressants comme du merch, El Gato ou autre. C'est une sorte de mini, on va dire, September, mais un peu différent quoi. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être spawnable nulle part, donc c'est cool. Donc, si vous voyez pop plein de ce bâton début août, c'est normal. Ah, moi je le colle. Hein. Qu'il y aura je sais pas combien de ce bâton qui ont pop là. Bon, petite grotte. Tu vas en faire un non. Non parce que bah déjà j'ai pas. En fait, j'ai pas un truc à streamer pendant des heures et des heures, tu vois, non-stop en fait, tu vois, enfin... Le modé c'est bien, mais au bout de 5, 6, 7 heures, t'as déjà le cerveau en compote, tu vois. Après, bon bah tu peux switch de jeu ou autre, tu vois, mais... Tu vois, je veux dire, on n'est pas en pleine période, y'a pas une cité, y'a pas un machin, y'a pas un nouveau FTP au départ, y'a pas une nouvelle saison de l'Holicube, y'a pas un truc où tu peux vraiment spammer à fond et sur lequel t'es ultra hype de jouer, on va dire, 30 heures de suite, quoi. Donc ouais. Déjà y'a ça. Ouais flemme. Je sais pas si un jour on ferait un de ce bâton. Je sais pas. En fait comme dit le truc c'est que moi faut
Déjà pour en faire un, faut surtout que j'ai un truc vraiment à spammer, tu vois, un truc vraiment qui me donne envie d'y jouer dessus 30 heures. Après je peux changer de truc, hein. En fait il faudrait limite que du coup bah, j'ai genre un modpack, hein, que j'ai à côté en même temps un Holycube pour peut-être aller farmer un peu de trucs ou build un peu ou autre, et qu'en plus à côté j'ai peut-être genre un serveur sur lequel je joue comme Windtail ou autre. D'ailleurs Windtail, attends, normalement c'est aujourd'hui que ça reprend en bêta là. J'avais vu passer ça. Bon, je me suis pas inscrit mais j'aurais dû. C'est aujourd'hui que ça reprend en bêta. C'est à 16h ouais, que la bêta elle ouvre. Enfin, c'est une bêta fermée, je crois. Mais... Enfin, semi-fermée, parce qu'il suffit de s'inscrire sur le Discord. Donc, Parce que je tourne assez vite en rond, en fait, moi, souvent, quand je fais un truc pendant plusieurs heures de suite, tu vois. Donc, si j'ai pas justement plusieurs petits trucs sur lesquels m'éparpiller, et. Compliqué de tenir un live ultra longtemps, tu vois. Ou alors faut vraiment que ce soit sur un fresh serveur, une nouvelle saison, en multi avec d'autres gens. Ah, on peut mettre plusieurs targets. Est-ce que plus t'en rajoutes, plus t'as de chances que ça marche pour ton truc? Je sais plus ce qu'on a dit qu'on allait miner. Ah, l'iridium, ouais, mais. Le vert, en fait, l'avantage, c'est qu'il donne émeraude, que j'ai très peu et dont j'ai beaucoup besoin. Pour esbourrer drawer, pour faire des. Inscriber, etc. Le diams, en vrai, je peux le faire facilement, Molecular Transformer. Shiny, je peux le faire facilement, Molecular Transformer au final aussi. En fait, le focus slime te donne émeraude, en uranium, tu vois. Et l'uranium, le problème, c'est que c'est assez rare, c'est chiant à avoir, et il va me falloir la blinde par la suite pour pouvoir justement. Quand j'aurai mes gros réacteurs, en fait, faire plein de plutonium, parce que le plutonium va me falloir la blinde. En fait, pour rappel, hein, le plutonium et tout, ça va me servir après à faire plein de choses. Et le bedrockium me sert aussi à faire plein de trucs. Je crois que c'est le mox qui me sert, je sais plus. Pour les turbines. Ah non, c'est l'iridium qui sert pour les turbines. Attends, c'est quoi qui sert pour les turbines? Ah, c'est l'iridium qui sert pour les turbines aussi. Et le mox en lui-même sert à rien. Non, c'est pour le bedrockium principalement. Et le RTJ. Ah si, ouais, le plutonium il en faut quand même plein parce que toutes les fuel rods se font avec. Donc bon. Non, mais on va focus vert pour le début. En fait, de toute façon, on aura quand même peut-être de l'iridium avec, donc faut voir. Faut voir. Hein. Le problème, c'est que tant que j'ai pas un minerai d'iridium, je peux pas le filtrer. Donc je pense qu'au début, vu que ça va pas produire non plus la blinde de minerai, on stockera tout dans un gros diamond chest. Parce que déjà, avant de le remplir, on a le time, je pense. Et une fois comme ça, que j'aurai peut-être un iridium. Hein. Mais du coup, je vais peut-être commencer quand même par filtrer l'iridium en vrai. Je pourrais le filtrer après au niveau des ender chest et pouvoir le stocker dans mon mur de drawer. Hein. Non, il finit la poubelle, donc c'est un peu con. Parce que le focus white. Hein. Il est où ce con? Ah, il me donne de l'aluminium dont j'en ai rien à foutre. Il me donne de la bauxite dont j'en ai rien à foutre. Hein. Il me donne du salpeter. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Il me donne de l'iridium. Et bauxite aluminium. Fort. Hein. Fort, très très fort. Hein. Tant que j'ai pas ça, je peux pas le filtrer. C'est un peu con. Donc ouais. Mais je sais pas si je peux faire un mix de différents focus. Genre mettre mix white-green, tu vois, genre... Ouais. Pour augmenter mes chances d'avoir un peu les deux, quoi. Il faut avoir un focus, là. Du coup, la différence entre le white, hein. C'est le lime l'autre? Ouais, juste après la vide que tu m'as mis au quoi. Donc lime, c'est bon.
Enfin, ouais, t'as deux colorants, t'as 4 milliards de bits, quoi. Niveau émeraude, on est comment? Ah bah niveau émeraude, ça pue du cul, donc on va en faire un jack, et puis on... Et puis voilà, bien ouais, je... Bon alors après niveau alimentation d'énergie, ce qui se passera, c'est que... Ah, il y aura là-haut quoi. Pardon. Vais faire ça différemment, ouais, ça coûte un peu ch... Ouais, si j'ai mon coffre au milieu, faut quand même pas arrêter que ça prenne trop de place. Ouais, bah viens faire ça descend. L'énergie par en bas. En fait, l'énergie, elle va venir du plafond. Elle va venir dehors, l'énergie, tu vois. Parce que l'énergie, c'est des solar panels. Et j'ai pas mis des dimensions de transceiver pour ça. Je vais pas faire un autre réseau pour l'énergie, donc... Bon, ouais, je pourrais, en fait. Mais non, ça me consommait d'énergie dans le vent, donc... ça va, je t'arrivais, en fait, là, je creuse dans le plafond, faire tout, et dans les panneaux solaires. C'est vrai que par en dessous, ça aurait été plus discret. Et après, rien n'empêche, je vais mettre mes panneaux solaires hein, derrière ce mur-là, et de remonter, en fait, tu vois. Parce que là, ça va être moche. Hey Caron, comment vas-tu? Façon, j'ai de la marge dans le sol là. Un bloc près quoi. Et large. Salut. On montrerait là. T'es où la surface? Tone. 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 Mais putain, on avait de la marge en fait, hein. Je vais me prendre de la flotte. Cool. C'est bon, pop. Salut! Hé, bâtard! Sur le con. Un petit dodo. Mais ça va, superbe, écoute, hein. Ça va, superbe, hein. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en live, parce qu'on a rien fait. C'est tout ou le trou? C'est pas celui-là. Oui, il y a plein de trous. Non, c'était pas ça. Ah, c'est trop. Mais non, mais putain, mais il y a plein de trous dehors, t'es. J'ai déjà perdu mon chemin. En vrai, ça va être facile à trouver. C'est lui qui m'a agressé. Petit salaud. Ok. Et donc là, j'aurais mes panneaux solaires, quoi. Pour peut-être virer un arbre d'eau, du coup, quoi. Avec celle-là, tu peux pas forcément les one-shot parce qu'en fait, ils ont des bûches qui sont différentes. Alors, par contre, ouais, lui il est pas censé avoir des bûches différentes, mais un peu spécial. Ok, on aplanira tout ça et puis en vrai, on aura nos petits panneaux solaires qui seront là. Après, je pense qu'on fera une installation spéciale par la suite pour les panneaux solaires. Pour l'instant, ils vont juste être installés au sol à l'arrache. Après, en vrai, pour l'instant, il y a un monde où je vais mettre que des résonantes hein, parce que avant de faire le panneau solaire du dessus. Il va falloir des ressources quoi. Allez voir niveau autocraft d'ailleurs si je peux pas l'encoder quoi. Pour voir en fait ce qu'il me faut comme ressources. Histoire d'avoir un ordre d'idée. Parce que là du coup je peux faire ça normalement. Faut juste que j'aille décrafter ça. Et c'est Wacky? Comment bon, ça va? Ultimate ou rien? Grave. Ah ouais.
Et le problème pour encoder l'ultimate. En fait, si encore je pouvais juste faire ça et que ça marchait, j'aurais bien encodé, tu vois, juste histoire de dire. Mais déjà, il faut quoi pour ça? Bon, fait écolant que j'ai pas. Mais fais voir déjà un advance. En vrai, ça, ça génère 4080. Y'a pas de. Ah oui, non. Y'a pas d'upgrade dans Solar Expansion? Pas l'air, hein. bits. Ah, petit problème de redstone aussi apparemment, petit problème d'acier, petit problème d'électrotune. Non mais franchement, les résonantes c'est pas mal. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Après en fait, j'y pense, mais il va falloir un autre traitement de minerai. Peut-être que je vais mettre un deuxième sagmi ici en fait là. Pour traiter différemment les trucs. Dans le sens où si j'ai des minerais de redstone etc par exemple, au moins je les traite. Pour moi c'est 5000 et puis c'est tout hein. En plus ça donne du silicone. Oh. Donc ça. Bon ça me fait faire un drawer en plus mais que du coup le diamant serait pareil. Red diamant, il faudrait que je le traite, tu vois. Alors après, c'est pas incroyable dans le 5000, tu vois. Pas foufou. J'aime bien le pulvériseur, mais bon, au moins il est traité, tu vois, en vrai, on s'en fout. En fait, à ce stade-là, je pense qu'on s'en battrait les couilles de savoir comment il est traité le truc. Voilà. Et c'est Kane, comment ça va? Et ça va nickel, la Sovaki. Et ouais, cette setup-là, il commence à avoir un peu de la gueule, là. Mais de toute façon en fait on va voir, c'est pour ça qu'au début on va juste mettre un diamond chest au dessus du bazar là-haut. Même plusieurs en vrai hein, je pense qu'on va mettre. On va être tranquille quoi. Configurer avant les câbles hein, parce que si je mets le dernier coffre je pense que je vais l'avoir dans le fion. Un des lasers n'est pas raccordé dessus. Celui du milieu c'est normal. Celui-là c'est des moins par contre. On aura des minerais là-dedans comme ça, parfait. Tu s'envoies devant cette base, de dingue. Oh, ça va, c'est classique. Après, c'est vrai que bon, comparé à ce que je fais d'habitude, c'est un peu mieux, mais. Ouais, mieux contrôler, on n'a plus besoin de le garder, ça c'est bon. Le reste on peut garder en vrai, c'est bon, pas de temps. Mais c'est vrai que j'avais ça à lancer aussi. Peut-être commencer à en faire quelques-unes maintenant, ça non? Bref, le truc c'est que j'ai pas les ressources en fait, de toute façon, donc j'ai ni l'Andorium ni des trucs gear mon cul. Après, j'ai 31 de Shiny. En théorie. Ah, mais je peux pas le start, y'a le Solar Panel qui est en cours. Il manque quoi au Solar Panel là? Regardez-moi ça là. Ça craft partout. Pap, pap,
T'as fini? Ah ouais. Nice. Donc là en vrai j'ai deux panneaux solaires. Feu du 1024 TRF par TX qui est très maigre pour alimenter le bordel dont qu'on a besoin d'alimenter, mais en vrai c'est pas mal quand même. Hein. Après je pourrais tirer un tout petit peu dans mon réseau. Il faudrait vraiment que je le bride en termes de câblage quoi et. Ouais t'es évident. Ah mais j'ai pas monté les câbles hein, pour le con. Aïe. Nice. Alors est-ce qu'on va se faire laserifier le fiac ou pas? Bah, tu me diras maintenant que j'ai mis des coffres, je peux pas trop me faire. Pas trop me faire laser en fait. Hé hey. Bon, ça va être très très long. Comme vous voyez, on n'a pas d'énergie. Mais dès que ça arrive à 1 million, on a une ressource qui pop. Hein. La grande question. Ça sera laquelle? En vrai, je fais un panneau solaire en plus. De toute façon, mes ressources, elles sont là pour être utilisées. Prendre de l'iron. On va faire du style. Ok, ouais. C'est combien? J'ai 4 stacks. Hein. Ouais, ce sera bien déjà ça. Après, est-ce que j'ai assez de cold coke? Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Hop. Ouais, ça a un petit stack de cold coke à faire dans chaque truc. Mais pas l'air d'en avoir beaucoup, hein. Ah d'ailleurs, ouais, en fait, il y a trop de cold coke. J'en trouverais couillé parce que du coup, j'aurais pas assez d'iron ici. En fait, j'aurais pas le slot de l'iron ici, il faudra faire gaffe à ça. Je passe par un hopper. Peut-être que je vais mettre un item conduite à la place. Sinon, ça va être bouché en fait. On va le faire maintenant en fait. Si je mets un buffer entre deux, en fait, ça va foutre la merde. Hein. Parfait. Il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Nice. Et du coup niveau Norium ça en a fait ou pas? Tout petit peu pour l'instant. Ça a dû faire des bases en premier je pense. Et là c'est en train de faire C'est Sharky. Ouais, as-tu? Bon, qu'est-ce qu'on a eu comme ressource là-haut là? Déjà, on a eu une ressource là. Peut-être que ce soit full en focus. Peut-être. Qu'il n'y ait pas besoin d'un autre truc, mais normalement non. Ça le génère dans un inventaire qui est placé au-dessus de la drill.
Est-ce que vu que j'ai mis un câble, ça marche pas? Salope! Putain, j'ai eu peur. Non, ça change que dalle. Hein. J'ai brûlé longtemps comme ça? Non, ça change peanut. Hein. Oh! J'ai failli me faire couiller mon coffre, moi. Évidemment, ils ont gardé open config. Hein. Pas trop pour vrai. Faut pas que ce soit clair jusqu'à la bedrock ou un truc comme ça. Ou non. Le clear line of sight to bedrock. La salle on va récupérer tout ce qu'il y a là. L'eau. Non mais en fait au lieu d'être au dessus on sera en dessous en gros. Voilà. On va faire la salle en dessous. Non, ça me trigger si je les casse comme ça. Non mais le pire c'est qu'en plus, enfin entre guillemets je le sais que c'est le truc à la bedrock, mais en fait c'est une machine que j'utilise en permanence en skyblock. Quasiment. Et en skyblock, bah tu fais pas gaffe en fait à l'accès à la bedrock. Tu fais pas gaffe à l'accès à la bedrock parce qu'en fait bah juste t'es dans le void en dessous donc t'as la... En fait, je vais du coup modifier mon système ici. Bon, autant eux, je les ai laissés en vrai, mais je vais faire ça différemment du coup. Bah, du coup, chez mon pote. En vrai, je sais pas si je rebouche. La flemme de reboucher. On va refaire des câbles. Hein. Non, mais je vais faire les transceivers, je pense. Enfin, un réseau, et puis. Ça sera envoyé de manière wifi quoi. Bon, par contre, du coup, je récupère ça. Pas déconner. Aïe. Alors, factory block. Donc. Et bah, du coup, on creuse. On creuse jusqu'à quelle couche? On creuse loin. Hein. Oh non! Non! C'est pas un lac de pétrole! Oh, je suis coincé. Oh la bite! Compte moi comme ça. Safe. Oh, ça va être casse-couille ça. Bah soit je fais la salle au-dessus, ce qui en vrai passe en termes de hauteur. Mais on les enchaîne, les emmerdes. Oui, un message. Et Pierre. Sorcier barbare tronique. Ah, sorcier barbare tronneur. Ah, tu veux sorcier? J'espère qu'il m'a un message sur Battle.net. Pompe le pétrole. Oh, mais là, je pense que. Je pense conique, hein. T'as fait quelle taille ce truc? Hein? Non! Ah bah attends, t'as vu la taille de la sphère en dessous là? Ouais, ciao mon pote. Hein. Ciao mon pote. Non mais après, j'ai pas besoin d'une si grande salle que ça. Hein. Moi ça t'a. C'est-à-dire qu'en vrai, si je me mets genre là,
Là, on est au sol du truc d'avant. Y'a du gravier pour le vider? Non, mais la taille du bazar, je le vide pas au gravier, hein, je vous le dis. Y'a genre 8000 blocs à poser, le gravier. Tiens. Ah parce qu'en vrai si je veux une salle 1, 2, 3, 4, 5 de haut, oh, je peux même me mettre encore au-dessus tu vois. Non mais je sais que je peux le pomper le pétrole hein. Bah, c'est pareil, c'est long. Ah, mais en fait là c'est pas trop dérangeant parce que j'ai pas besoin d'une grande salle donc j'ai pas besoin d'aller super profondément en fait pour pouvoir faire mon truc tu vois. Une salle qui fasse 5 de haut, que ce soit pas très très longue, et puis on s'en fout. Ben Pierre, du coup, il joue sorcier sur Diablo, quoi. Incroyable. Hein. Mais lui, il joue sorcier de glace. Moi, je joue sorcier de foudre. Hein. Ah, je sais bzzz. Bon, attends, on l'avait mis où ça? On l'avait mis genre là. Hein. Alors, ça, c'est la base. Et du coup l'autre il était posé là donc on avait creusé genre 3 derrière quoi. Ah c'est bon? Donc attends. À faire de la merde moi. Pourquoi il est tout blanc lui? Parce qu'il est tout chargé c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait là vu qu'ils sont full énergie, si je pose ça et que je passe à travers, c'est fini pour moi quoi. Ah bon on va éviter hein. Tiens non. Hop. Et du coup... Ça c'est là, ça c'est là. En vrai, on se fait encore deux derrière, je pense. Voilà. On a trois blocs pour naviguer un peu partout autour, on est tranquille. Et ni au plafond, on fera du 2. En plus. En vrai, t'as raison de faire une salle en hauteur, tu économises des câbles. Hein. Comment ça? En fait, là, il y a aucun câble à économiser, quoi qu'il arrive, puisque ça va arriver par dimensionnel transceiver. Tu peux faire 4 setups dans la même salle, comme ça c'est opti. Bah, de toute façon, là pour l'instant il y a qu'un seul truc. Après, à terme, il y en aura plusieurs hein, dans une seule et même salle. Hein. Pas tout le même endroit. Mais ouais, non, enfin là je me vois pas tirer un câble en vrai. Enfin, on a la couche 32, mais les panneaux solaires sont là. En fait, c'est surtout pas ça le problème, c'est que là si jamais je tire un câble verticalement, je traverse la salle du dessus. Ce qui est un peu casse-couille. Hein. Donc en vrai, c'est pour ça que je vais éviter de faire ça. Hop. Bon le plafond ouais les trous je vais les laisser de toute façon parce qu'après il faudra faire les murs. Hein. Ok. Un petit peu full hein. Tout petit peu. Pourquoi en work il est bon? Mais connard t'as pas accès à la bedrock là. T'es au courant. Putain c'est vrai qu'il y a le pétrole à traverser pour la bedrock. Penser. Ça pue un peu du cul quand même. Et c'est bizarre qu'il ait 36 de work. Coup de sable. Ah bah de toute façon oui là on va y jeter on va y jeter de la merde. Et puis on va voir ce qui se passe hein. Par contre là j'ai pas refait ce que j'avais dit qu'il fallait pas faire. Oh merde. Ah bah oui, on est bien là. Bon.
Bon, il n'y a pas d'énergie, c'est normal. Si je vais câbler ça par en dessous, je vais finir dans le pétrole. Hein. Ça, c'est sûr, à 8 milliards de pourcents. Hein. Non? En fait, attention, je peux pas câbler ça. Bon, attends. Ouais. En fait, il va falloir qu'on fasse le tour. Si je passe au milieu, vu qu'il faut qu'il ait accès à la bedrock, ça va marcher moins bien. Certaines versions, il n'y a pas besoin d'avoir accès à la bedrock. Bah là, j'ai testé sans avoir accès à la bedrock, ça marchait pas. Alors, est-ce qu'il faut juste qu'il soit à une certaine hauteur? Pour clair. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là-bas, il y aura le transceiver comme ça. Voilà, il faudra une belle boucle. Et le boucle. On va tester son accès à la bedrock, voir si on s'est juste fait niquer. Ou pas. Mais Oh, imaginez, c'était qu'en fait il faisait nuit, du coup il y avait juste plus d'énergie. Ça serait triste. Non, parce que c'était full en énergie en vrai. Ça, je l'ai auto ou pas? Non. Mais est-ce que le slice and splice il est mis là-dedans? Ah, il est mis. Ah, faudrait que je l'auto en vrai, du coup. Et quoi, c'est Handaman Head. Solarium. Silicon. Vibrante. Oh, vibrante n'est pas auto pour l'instant, mais bon. Et donc ça, ça donne. Bah, ça donne un truc qu'il faut que j'aille crafter parce que j'en ai pas en fait. Bien vu. What? Est-il en in-out? Enfin? Ok. Et donc il me manque quoi? C'est quoi qu'on craftait déjà? Oui, ça. Il manque un octalique. Hein. Mais il est encore sur l'Andorium l'autre là. On piche, hein. Comment ça c'est spawn up d'ailleurs ici? C'est pas dingue ça. Ouais, je vais mettre du Nitor, mais alors du coup, je sais pas où le foutre. Peut-être. Faudrait que je le mette là, genre en hauteur. Ouais, on mettra ça là, je pense. Pour l'instant, il y en a un, mais. Pas assez pour le matériel. Voilà! En tout cas, il fait bel et bien nuit. On va passer la nuit. On va déjà gérer niveau énergie tout ce qu'il faut. Après, comme dit, le problème c'est que. Ouais. Le problème ça va être que ça va me bouffer un petit peu d'énergie passivement parce que le Dimensional Transceiver en fait te consomme pas grand chose, hein, mais il te consomme quand même un petit peu. Il consomme genre 10 RF parties qu'on permet quoi. Non, non c'est pas drôle. Pourquoi j'ai mis en private? Donc là-dedans on send. Bon, au moins on aura la place pour câbler ça. Voir mon côté des choses. La putain d'enfer. Ça c'est bon, en énergie, pas de soucis, tout ça, on est bon. On va en bas. C'est fou en énergie, mais niveau work, que ça se touche la kékette.
y a bel et bien un problème de faux accès. Alors par contre, j'ai peur de me prendre un gros faisceau lumineux dans la gueule. C'est long à tomber. En fait, il faudrait même que je le fasse sur 5 blocs. Si ça passe à travers le factory block, parce que c'est un bloc transparent, par contre, on aura bien dans le cul. On va remonter très vite. Ok. Bah là, ça marche. Ça marchait. Ouais, c'est la dèche à ce point-là l'énergie. Hein. Ah mais ça coûte si cher que ça pour avoir une ressource. Tout ça pour que ça donne un aluminium après, hein. C'est ça le pire en fait. Après d'un côté c'est chunk loadé, hein. Enfin du coup ça a marché 24 sur 24. Puis il faut juste qu'on augmente, qu'on améliore un petit peu la prod, quoi. Mais pour l'instant on n'a pas les ressources. J'ai clairement pas assez d'électrotine, mais l'électrotine je sais pas si je peux me débrouiller pour en avoir autrement. Le laser il fait pas de dégâts. Alors vu que j'ai failli crever tout à l'heure en traversant. Là mais en fait l'électrotine ça se trouve même pas. Ah celui du dessous, celui du dessous, je sais pas. En fait l'électrotine ça se chope même pas du coup via la laser drill. C'est-à-dire qu'à part la courir, t'as aucun moyen d'en avoir. Si en faisant des mondes des rêves tout ou quoi, mais real time quoi. Et du coup, t'as l'abeille. Et en vrai, elle est gratos. En vrai, l'abeille, allez. En vrai, l'abeille, je pense que c'est la prochaine que je focus. Hein, joke, hein. Parce que. Là, faudrait que je croise la majestique et la noble. Hein. Que je fasse l'impérial. Hein. Faudrait que je fasse l'impérial et la résiliente aussi en même temps. Mais la robuste, je l'ai pas la robuste. J'ai pas la tolérante. Rêve tout, c'est chaud pour le faire maintenant, c'est surtout qu'en fait il faut beaucoup d'énergie pour faire dégueulasse mes lunettes. Ouais. Beaucoup d'énergie en fait pour que la dimension reste ouverte. Hein. C'est surtout ça le problème. Bah en vrai, faut que j'aille refaire des apiaries du coup. On ferait genre 4 quoi. C'est bon. En vrai, je prends des graines. Hop. Voilà. Petite oil. Et donc, avec ça, au début. Hop. Enfin. Bon, ce sera dans 10 ans quand on aura fait assez de graines. Mais... Non, c'est pas l'impérial qui nous bitifique, c'est non, c'est la Majestic qui nous bitifique. Celle-là. Elle me donne une bitifique. Mais du coup, elle, faut que je fasse impérial avec. Et
Et donc ça, je peux déjà faire ce croisement-là. Donc en fait, j'ai l'impérial à faire. J'ai la robuste à faire. Et après, résiliente, je peux pas pour l'instant, forcément. J'ai la lapis à faire. Ah mais il faut résiliente, connard. Donc faut que je fasse impérial et machin là. D'ailleurs, avec la férousse là qui se stabilise, j'ai quoi derrière comme croisement avec la férousse? Oh la silicon! Ah, en fait, le problème c'est qu'après des autres côtés, j'ai pas tout ce qu'il faut donc. Faudrait que j'aille voir, c'est la relique. La relique, il me faut la. La préhistorique pour le gold. Non, c'est pas la relique, c'est la aurique. Ah, c'est l'aurique. L'aurique, il faut quoi? Plumum. Et il faut impérial. Du coup, il faut Stanum. Je peux voir pour faire une Stanum pour l'instant. On pourrait faire Stanum. Ma paix qui me demande si je joue vocal. Allez. En vrai, il faudrait qu'il ait la paix dans la combo, ça peut-être rappeler à Bazon qu'il y a un modpack qui existe. Oh putain, il est parfait lui! Oh, ça me prend 3 siècles à stabiliser avec, mais vas-y. Il est où ce con? Est-ce qu'il m'a ajouté en ami Xintech d'ailleurs? J'ai envoyé le code, mais. Allô? Allô? Oh putain d'écho, putain d'écho. C'est l'écho? C'est l'écho, c'est l'écho. Ah, attends, dis Oh! que tu Oh! as dû faire de la merde. Cool, dans une vache, ouais. Viens où la vache? Pas de vache? Attends, y aurait une vache sous terre? Ah non? Oh, c'est ma peur, ça, non? On a entendu. Je pense qu'on a entendu la vache du jeu de ma peur en vrai. VHL, comment ça va? Ouais, est-ce qu'on a un minerai là, K-pop là? Absolument pas. Ou alors si. Du saphir! C'est Let's mieux ou pas? go! Allô? Ouais, c'est bon. C'est mieux? C'est bon, c'est Ouais, bon. Discord qui a reset les options. Putain, trop bien, mon premier minerai que j'ai eu avec ma laser drill, mec. Du saphir. Voilà. Ah, t'as déjà lancé une laser drill? Ouais. Bon, j'ai alimenté sur Incroyable. un setup à part, j'ai juste fait 2 gros panneaux solaires là en résonante et puis. Comme ça me pompe pas mon énergie, c'est dans mon réseau ou quoi. Ouais, Sur un setup pas autonome, de. c'est chunk loadé, ça marche tout seul et puis basta quoi. Oui, c'est clair, c'est ce que j'ai fait pareil pour mon. Bah, comme t'as fait aussi pour le moléculaire en fait. Ouais. Ouais, merde, il y a des arbres ici, c'est vrai. Hop, t'as déjà Bah les visé voir moléculaires après ça. à terme j'en ferai plusieurs. J'en ferai genre un qui sera que pour l'iridium, un qui fera que du shiny, un qui fera bah, que du diam aussi je pense avec genre du truc et tout. Ouais. Ça va être plein de c'est vrai systèmes que. comme ça. Mais comment ça marche d'ailleurs, quand tu mets un focus et ça mine que des ressources de ce focus ou c'est Ah aléatoire quand non, même? non, 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 ça augmente les chances d'avoir les minerais parce que t'inquiète pas que j'ai pas mis un focus pour avoir du saphir. Hein. Ah oui. J'ai pas mis de focus bleu. Hein. Même si en vrai c'est le focus du diamant donc j'aurais pu. Mais non, non, c'est en fait ça augmente un truc. C'est full énergie ça? Ah non, Ok, mais que ok. dalle! C'est branché Alors sur du du coup, l'étage mini-RF solaire, particle. mets-toi en dessous quand tu rentres. De quoi? C'est où qu'il faut rentrer? C'est dans la base? Pour voir ton. Voir quoi? Bah, pour voir ton drill. Ah ouais, là en dessous là. Là tout. Ah oui. Voilà. Ok. Pas passer Ouais, dans les ça c'est le lasers si je veux. rechargeur. Ouais. Ça fait combien de dégâts en vrai? En Ça vrai? c'est à one shot? Je sais pas, test. Hein. Ouais, j'ai pas envie de tester hein. Non, en vrai, t'avais pas si mal que ça, ça fait juste que ça te fout en feu. Ouais, bon, ça c'est pas grave. Ok. Ah oui, t'as mis un blind J'arrive de pas à voir si coffre. m'ajoute en ami Exotech. Ah si, m'ajoute Mais en bon, ami. c'est un peu lent ça, attends, c'est combien c'est. Ah, c'est mou de la bite, hein. Ah oui. Oh, ah ouais, c'est lent. Ah, c'est très mou de la bite, hein. Ah Là, c'est ouais, tu branché veux. sur du 1000 RF partic, hein, donc. Ok, ouais. Mais je sais pas si. Ouais, tu me diras, l'énergie t'as zéro, donc peut-être que ouais, ça. Bah, en fait, en gros, c'est surtout les. C'est Bah, du coup, galère. en fait, c'est les préchargeurs qui la remplissent. Mais les préchargeurs, déjà, ils sont quasiment vides, tu vois. Donc, et en fait, à chaque fois que les préchargeurs ils ont un certain nombre d'énergie, ça équivaut à un work. Et ce un work, du coup, bah après, tu. Voilà. C'est un minerai, quoi. Enfin, en fait, Et il faut pas qu'il se il faut remplisse. 300 work en fait au total pour enfin faut 300 actions pour qu'en gros ça fasse un Oui. truc. Ok. Et je crois qu'une action c'est 5000 RF. Je sais pas. Alors, je pourrais pas dire.
Ouais, c'est 5000 DRF une action et au total, en fait, il faut 1 500 000 DRF pour un minerai. Voilà. Donc, quand t'as 1 500 000 DRF qui partent pour un saphir, je pense que t'es content, tu vois. T'es content, ouais. Ah oui, 0,18% pour le Illyrium, ça c'est bien. Après, l'avantage de ça, c'est que c'est Iranium. Pas comme la Kouri, t'as pas à le bouger, tu vois. Oui, bah c'est ça, c'est passif comme c'est tu ça, dis, quoi. Tu après, poses ce qui et... fait chier, c'est que l'électrotine, elle peut pas être minée avec ça. Ah, on se met pas de dégâts. Non, c'est juste ça te met en feu, quoi. Mais ouais, en fait, l'électrotine, elle peut pas être minée avec ça. Et du coup, c'est chiant parce que, bah, vu que moi, il me faut énormément d'électrotine pour mes panneaux solaires, c'est un peu casse-couille. Oui, mais... oui, je confirme. Mais après, je me dis, l'abeille d'électrotine n'est pas si chiante que ça à avoir. Mais bon. Ah, c'est ce que j'allais regarder, il y a, une... ouais, il y a bien une abeille. Il y a une abeille d'électrotine qui a 25% de chance de donner des combos à chaque fois qu'il donne une électrotine. C'est... Et c'est vraiment assez facile à avoir, tu vois. C'est genre. Ouais, c'est. Bah, j'ai. Il faut juste que je fasse la lapis et après l'électrotine. C'est ça, quoi. Bah, moi, là, je vais faire la robuste. Il y a l'Excited aussi. Ouais, l'Excited, mais c'est Valiant et Cultivated. Donc... Valiant, ouais. Bah, les Valiant, faut que j'en fasse. Ouais, les Valiant, j'en ai. Bah, ouais, on les trouve dans la nature, mais. Ouais. Faut, je les ai pas faites encore. Le Diam, c'est bleu. Ok, nickel. Ok, moi, c'est cool. C'est le filtre du robuste, pas du robuste du saphir. Ah oui, en plus ça te ramène les minerais vraiment comme Silk Touch, donc. Oui, bah alors, du coup en fait ça va faire que derrière pour les traiter, il va falloir que je le vois et que. Pas mal de il faut une, ça, il faut une ligne de traitement spécifique pour ça parce que. Bah qu'une... en soi il y a pas mal de... en fait j'ai déjà une ligne de traitement pour la courir, tu vois. Genre pour la courir en fait j'ai déjà un endroit de traitement où tout arrive dans notre chest en fait et ça part dans les sacs mines puis dans le four, tu vois. Parce que là j'aurais des minerais en plus à mettre là-dedans et j'aurais aussi bah, tout ce qui va être redstone, diamant, etc. Ça par contre faudra que je mette dans un sac mine mais que ça passe pas en cuisson après, tu vois. Ouais, c'est ça, faut que tu fasses une machine à part pour eux. Ouais. 5000. Ouais, juste en 5000 puis Boston. Ouais, c'est mieux. En 5000, vrai, la redstone en 5000 en plus, mec, ça donne du silicone. Donc tout bénef. Ah ouais. Bon, le silicone, j'en ai déjà plein. Moi, j'ai fait. Oui, mais comme ça, au moins, ça en fait un peu plus. Moi, j'ai un barrel entier qui se fait en permanence. dans mon truc là. Ah, c'est le vert là. En fait, là, je lance un craft pour juste. Je crois, bah, c'est le solar panel en résonance. C'est 28 000 bits, un truc comme ça qu'il faut, quoi. Hier j'en ai fait un avec mon système logistique pipes. Comment dire que quand il a commencé à crafter des centaines de petits trucs du milieu là pour le premier, ouais. Ça a vite rempli des coffres au hasard. Ah, tu m'étonnes. Hein. Bah là moi ça m'a pris 3 minutes à en faire un, tu vois. Ça m'a pris 3 minutes à Caplide à faire un panneau solaire résonante. Ouais ça. En vrai c'est pas mal quoi. C'est pas mal ouais c'est. Mais j'ai rajouté des co-processing units hein, parce que sinon bah vu que t'as plein de petits crafts à faire partout c'était un enfer quoi. C'est vrai que c'est protégé. Mais ouais t'es obligé de faire ça. Ah mais attends faut que je te fasse une carte pour attends je te craft une biométrique carte comme ça tu auras ça. Mais du coup, pourquoi t'as mis une protection c'est en fait, pour en gros, t'es obligé wifi, pour le truc Wi-Fi, ouais. En fait, tu peux pas mettre de Wi-Fi si t'as pas le. En fait, surtout pour accéder au terminal, t'es obligé de le passer dans la security, mes couilles là. Ok, ouais. Ah, c'est pour ça. Attends, biometric card, comment ça se craft cette photo ben. Hop, alors attends, tiens, faut que tu fasses un shift clic droit avec ça. Je crois. Ouais. Comment ça te la bind. C'est bon, y a mon nom dessus. Normalement, je la fous en dessous dans le truc de sécurité là. Ah t'es censé y avoir accès maintenant. Bon, c'est vu que c'est moche, je l'ai foutu en dessous. Normalement, maintenant t'as accès à tout. Alors, quoi qu'attends, je sais pas le si contenu. Je te donnais les permes. Attends, merde, attends, j'ai mis quoi comme perme. Non, y'a pas de perme. Ah, attends, quoi que. Ah, c'est. Quand tu spam clic, ça ouvre l'interface vite fait, mais ça la referme instantanément. C'est bon, t'as accès. Ah, là, c'est bon, ouais, je vois. Je vois les autocrafts. Voilà. Ou les classiques panneaux solaires, Culinary Generator. Ouais, j'en ai mis partout. En fait, ceux qui se craftent en plus grosse quantité, je les ai mis au centre. Parce que bah du coup, ils ont plein de molécules à rassembleur autour. Ils ont les 4. Et les coup, trucs qui se craftent rarement, je les ai foutus dans les coins quoi. Mm. Ouais, trucs de merde. Même les nuggets, trucs comme ça. Parce que vu que ça fait 9x9, les nuggets, on n'a pas besoin d'en crafter 4000 fois. Donc, Les nuggets, mais t'as pas les. Ah oui, non, mais c'est pour les nuggets de. Bah, c'est les nuggets de métaux qui sont pas spéciaux, dans, mes... Ouais, dans mes drawers en fait. Mais limite, faudrait que je les stocke après dedans. Ça, j'aurais pas besoin de les crafter. Mais... Bah, l'acier, je l'ai fait parce que le... Ouais, le style nugget, il en faut quelques-unes. Ouais, c'est un enfer. Quand j'ai vu que mon stock d'acier était parti entièrement en nugget dans un coffre, j'ai fait ok, je vais le compacter. Tu m'étonnes. Je suis en train d'en faire là, justement, de l'acier parce que c'est pareil. Le seul truc chiant, c'est qu'il n'y a pas moyen de. Tu sais, il n'y a pas la fleet upgrade des drawers, donc. Y'a quoi? C'est pour réduire la quantité qu'un drawer. Ah oui, ça c'est chiant parce que c'est pareil. Moi, par exemple, quand j'ai automatisé en fait mes processeurs d'apply, là, quand je vais le faire. En gros, en fait, j'aurai une crafting card qui fera que mes trucs de silicone et tout se crafteront en permanence. Comme ça, j'aurai pas à les encoder dans le craft et ça remplira en permanence en fait les slots quoi. Sauf que bah, du coup, je vais mettre un drawer en amont et ça va faire que ça va stocker plein de stacks pour rien entre guillemets. Tu vois. Bah là, j'ai un stack de blocs d'acier qui est en train de se faire quoi. Ouais, c'est ça quoi. Il se fait tout seul quoi. Attends, après, du coup, la technique c'est que. Oui, après la technique c'est que tu peux faire du coup pour ces trucs là, tu prends un drawer de 2x2 limite et en fait, t'as 3 slots, tu remplis de merde et tu gardes. Ouais, mais moi je voulais le compacting pour avoir les nuggets.
Donc, ah oui, du coup, ah oui, c'est 64 stacks de blocs d'acier, du coup, qui vont devoir se faire. Non, c'est 16 stacks. Ouais, 16 stacks de blocs, bonne chance quand même. Ça fait 16 stacks d'iron, enfin de blocs d'iron. Quoi. J'ai des milliers de stacks d'iron, donc c'est pas grave, tu vois. Mais ah, parce que t'as les abeilles maintenant. Non, j'ai juste balancé des courriers à fond, mais. Ah ouais. Après, j'ai t'as dû consommer d'iron que ça. Ouais, mais t'as dû en consommer pour des gros crafts que j'ai pas encore fait. Bah, Blight notamment. Déjà rien que ça ouais, ça consomme. Consomme pas tant que ça. Je sais pas pourquoi j'ai liquidé l'iron. Ah si, non, moi c'est les culinary generators, parce que chaque culinary generator c'est une gear en iron. Sauf que ouais, bah, moi j'ai des culinary generators, en fait c'est chaque générateur c'est un stack de générateurs de base. Hein. Donc là j'ai 12 stacks de gear qui sont partis, donc déjà ça fait 48 stacks d'iron. Voilà, tu vois. Bah, non, il n'y a pas la downgrade des drawers. Hein. D'ailleurs, le Yellowrium, j'ai fixé le truc, on peut faire des blocs maintenant avec. Je sais pas pourquoi il est désactivé par défaut le craft. Ouais. Ah, et du coup, on peut le mettre dans Compacting Drawer, quoi. On peut le mettre dans Compacting, ça fera des blocs. Enfin, je le bougerai, du coup. J'imagine, il y avait dû avoir une histoire d'exploit à une époque, mais là, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'était bloqué. Ah, peut-être parce qu'en fait, parfois, tu peux aussi, peut-être, en gros, faire du Yellowrium avec de l'uranium ou l'inverse, en fait. Vu que c'est souvent les mêmes lingots, c'était un peu comme avec le Pink Slime et le Slime normal, en les mettant dans un Compacting Drawer, tu pourras avoir du Pink Slime avec juste du Slime normal, en fait, tu vois. Ouais. Et bah, je sais pas, parce que là, il y a vraiment que Ingot Yellowrium en tagle, enfin en ordicte. C'est vrai que l'uranium, je sais pas, il y a pas de uranium, parce que sinon, au pire, faut juste enlever. C'est vrai qu'il y a, y a aucun stockage avec genre juste un stack d'items dedans qu'on peut mettre, quoi. Bah, si, il y a le mini chest là. Ouais, il existe. Ouais. C'est quoi, c'est le dirt chest? Non, c'est un tout petit coffre. Comment il s'appelle? C'est. Ah oui, c'est mini chest. Oui, le mini chest, voilà. Ouais. Extra utilities, mais c'est pas compacting, quoi. Mais c'est. Bah, j'avais mis ça au début pour l'acier. Moi, je voulais vraiment pas avoir trop d'acier en stock, j'ai mis juste ça. Ah, bah je mettrais peut-être ça, moi, du coup, pour le. Mais je sais pas si tu peux caler un exporteur d'Applied dessus, tu vois. Sûrement. Hein. Logistique, ouais, ça marche en tout cas, mais Applied, ça doit marcher aussi. Ouais, parce que bah, du coup, j'utiliserais ça pour le silicone et la redstone, comme ça, au moins, ça me liquide pas, genre 16 stacks d'un truc de côté pour rien, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais moi, là, tu vois, moi, le silicone, j'ai juste fait un générateur de cobblestone, pulvérisé en sable, et puis pulvérisé en silicone. Ça marche très bien. Ouais, c'est trop bien, c'est porte. Hein. Ah ouais, c'est porte, c'est un délire. Tu peux faire comme quoi, elle se referme toute seule, tu peux mettre des codes, tu peux mettre ton truc. Hein. C'est vraiment génial. Mais du coup, il faudra que j'agrandisse mon mur de drawer, parce que bah, là, avec les drill, genre plein de nouveaux minerais, quoi. Mais il y en a plein, je vais poubelle, ouais. Hein. Genre, bah, tout ce qui est saphir, etc., ça finit à la poubelle. Franchement, go directement les traiter, et puis tu stockes directement. Hein. Ouais, mais là en fait, il y en a que je préfère garder en brut, bah, genre l'iridium, parce que l'iridium, si tu le traites, ça sera forcément des lingots. Sauf que bah, moi, l'iridium, je veux pas que des lingots, je veux aussi d'avoir en bouboule, parce que t'as pas un truc qui se craft comme ça, tu vois. Donc, Tu fais comme pour l'uranium et. Ouais, l'uranium, je stocke tel quel, en fait, parce que l'uranium, c'est pareil, l'uranium, tu le veux en lingots, tu le veux sinon en crush, machin, donc. Ça me fait des lingots et ça sert à rien. Bah, les lingots, t'en as besoin, d'uranium, pour faire des trucs en. C'est ça, quoi. Bah, genre, par exemple, déjà pour des plutoniums ou autre, t'en as pas besoin, tu vois. Ok. T'as aussi le bitume que tu peux mettre là-dedans au passage. Hein. Ouais, mais le bitume, j'en ai déjà trop. Mais j'avais la flemme de merde là. J'en ai déjà 4 milliards. Elle te pompe tout de tous les espaces là. C'est vrai que la cobble en compacted, c'est pas con aussi, faut que je le mette. Ouais. Ouais, parce que bah, en fait, t'as des crafts, bah, justement pour les compacting drawers, il te faut de la triple. Oui. Donc ça t'évite de devoir faire 15 000 process à l'avance. C'est ça, j'ai fait un autocraft, mais comme ça je vais pouvoir me débarrasser de. Là, je vais pouvoir enlever plein d'autocraft, tout ce qui est lingot. En fait, tu peux pas gérer en mode excédent ou pas, Cordel. Hein. Et pareil, la cobble, je vais faire pareil. C'est pas con. Yep. Même tout ce qui est. Mais moi j'ai vraiment tout mis, même genre les trucs là, les saphirs, tout ça, j'ai mis en bloc aussi. Bah, j'aurais pu, mais après, en fait, vu que ça coûte cher quand même les compacting, c'est pour ça que je suis mis comme ça, vu que je m'en fous de les avoir en bloc ou pas, tu vois. J'arrivais pour 19h30 ce soir, ça ouais. Pas en bloc, par contre, les shards, tu vois, les shards, j'aurais pu les mettre dans des trucs de 2x2, tu vois. Ça aurait pris un peu moins de place. En fait, si par la suite, tu vois que j'ai vraiment besoin de trop de drawers en plus. Ouais, j'allais dire c'est plus joli, mais en soi, ça irait peut-être bien avec les compacting, ouais. C'est aussi deux lignes. Mais j'aime bien parce que là tu vois j'utilisais le Tyrian et en vrai c'est un peu la même teinte mais que oui, le compacting tu vois. C'est ça, c'est trop bien. Je pense que je vais tester avec la pierre pour voir ce que ça donne parce que c'est une texture de pierre aussi. Mais sinon clairement je fais Tyrian. Yip. Hein. Ça marche super bien. Ah c'est pareil, un painting machine c'est trop bien. Hein. Genre là bah, bon, tu peux peindre n'importe quel bloc, avec le sol dans n'importe quel bloc et du coup ça c'est trop pratique. Underio c'est juste incroyable. Hein. Non y'a pas mecha. Par exemple tu pourrais mettre des câbles dedans, tu le verrais même pas quoi. Enfin, c'est pas des conduits, mais tu mets des conduits. Par contre, il n'y aura pas de glowstone, il n'y aura pas l'effet glowstone, pardon. De quoi? Bah, si tu fais des conduits de façade avec ça. Ah oui, ouais, t'auras pas l'éclairage dedans, par contre. Ils seront pas brillants. Ouais. C'est le seul truc. Mais sinon, oui, c'est juste. Bon, après, de toute façon, dimensionner transceiver et puis nick. Hein.
Tu fais tout à distance, hein. Ouais, j'ai vu les Tesseract, ouais. Enfin, est-ce que j'ai un nouveau minerai? Oh, Nether Gold Ore, hein. Nice. Oh, tu récupères aussi. Putain, mais du coup, si tu chopes les minerais du Nether, c'est encore plus casse-couille à traiter parce que du coup. Il faut les cuire. Ah non, non, ça va. Non, tu peux les 5000. Par contre, ça donne la Nether Egg, donc faudra que je stocke la Nether Brick. Parce que vu que je la cuire directement, mais ouais, c'est pas plus mal d'avoir de la Nether Brick parce que. Oui, effectivement. Ça sert pour les crafts, tu vois. Donc. Ouais, j'allais dire que ça sert à quoi. Bon, les générateurs de draconique, ça, on s'en fout un peu. Oui, ça sert pour ça, mais non, ça, a... ça sert. Bah après, en bloc, en ça bloc, peut servir pour des trucs draconiques évolution de Witchery, t'as des trucs de Steve Cart, t'as. Ouais, il y a Runic Dungeon, j'ai jamais testé ce mode. Chris Marine aussi. Oh, ça peut toujours servir en vrai, et puis le pire, ça me prend un drawer de place et puis basta. Hein, c'est... Oui, c'est sûr, tu me l'as au pied une voix et puis voilà quoi. Oui. Ça sert aussi pour les mecs macro shibles donc. Ouais. Mais ouais. Parce qu'en fait, bah, moi, mon 5000, ça part directement après dans le four, donc c'est sûr que bah, si ça produit de la cobble ou de la netherrack, bah, ça cuit, puis voilà. Moi, comme ça, ça me fait un générateur à stone, en fait, donc... Ah oui, c'est moi, c'est pareil, hein, j'ai... Mais par contre, ouais, ce qui est trop bien, c'est que du coup, si ça donne des variantes en nether, bah, ça fait double ressources. Ça, c'est plus tanks, parce qu'un nether d'or, ça fait 4 de gold, quoi, donc... C'est pas mal, ouais. Parce qu'en fait, ouais, je pensais que du coup, les variantes de nether, tu les avais que dans le nether, maintenant, tu les as ici, là. Oh, le nombre de minerais qu'il va falloir filtrer, putain. Bon, moi, je pense que moi je vais lancer une corée dans le nether pour récupérer tous ces minerais justement. Ouais, bah en fait c'est pour ça que moi j'ai mis les diamond chests pour l'instant, c'est comme ça moi je vais avoir au moins peut-être un échantillon de tous les minerais au bout d'un moment et ça me permettra de faire des filtres avec, tu vois. Parce que bon, tant que j'ai pas d'iridium, je peux pas le filtrer et j'ai pas envie que ça parte à la poubelle quoi. Tu mets du silex toi dans tes machines? Ouais, bah tant que j'en ai, ouais. Ça me booste un petit peu ma prod. C'est vrai. Mais vu que de toute façon je récupère le silex des quarries en fait, bah voilà, tu vois. Ouais, c'est clair, mais moi j'ai quand même autocraft la Dark Steel Ball. Ouais, mais bon, vu le nombre de ressources qui passent dedans, j'aurais plus de ressources. Franchement, ça va, c'est quoi? C'est charbon, obsidienne et fer. Ouais, c'est les 3 trucs que j'ai le plus. Ouais, ça part super vite, hein, vu le nombre de minerais qui passent aux 5000. Bah, moi, là, le flint, il y a déjà 40 stacks qui sont partis. Hein. Ouais, mais je crois que le flint, ça doit. Après, le flint, il part peut-être plus vite que le Dark Steel Ball. Je peux Dark Steel Ball, en vrai, ça fait par 5. Non, ça fait par 16 aussi. Non, par 5. Par 5. Ouais, c'est quand même 5, un Dark Steel à chaque fois. Non, c'est un lingot. Ça fait un peu cher. Parce que l'obsidienne, c'est pareil, j'en ai plus du coup en prod. Parce qu'avant, bah, j'avais l'obsidienne qui provenait des quarries, mais vu que maintenant je retire les liquides, bah, y a plus de lave. Ouais, c'est vrai. Mais bon, au pire, tu mets pas le fixeur une fois. Oui, au pire, tu mets pas le fixeur, et puis de toute façon, t'as. Franchement, la quantité. J'ai fait une quarry avec, sans le fixeur, ça m'a tellement ramené de stack d'obsi. Bah, c'est comme ça que j'ai tout mon obsi pour l'instant. Bah, ouais. Tu m'étonnes, t'en as combien là-dedans? Que je le fasse. Bon, j'en ai 700, ouais, parce que j'en ai cramé quand même pas mal. Hein. J'en ai crush plein, et puis. J'ai fait énormément de laser en fait. Bah, tous les lasers là-bas, j'ai 100 lasers. Oui, donc, j'ai vu déjà, ça. Bon. Il y a quelques stacks d'obsi qui sont partis. Vous êtes trop stylé hein, quand tu lances le craft, ça va tellement vite du coup. Parce que là, bah, je vais automatiser les inscribeurs. Chaque inscribeur, c'est une résonante machine frame. Hein. Donc 50 millions d'RF qui vont devoir partir à chaque inscribeur. T'inquiète que j'en ai fait 4 inscribeurs, j'ai vu partir l'énergie. Hein. Bah, là, je vais en faire 36 déjà. 36 à la base, je vais en faire 75, mais bon, ça va faire un peu cher en termes de météorique Iron Ingot. Ouais, je vais en faire autant parce que comme ça me fera 5 de chaque de trucs, ça sera assez rapidement, enfin assez rapide si jamais je remplis tous mes drives. 5 de chaque pour... Bah, vous faire 25. Attends, c'est combien de. Non, parce qu'en fait, je vais en faire 15 qui vont faire du silicone. Je vais en faire 15 qui vont faire du gold, du machin, du pur et du diamant. Bah, envoie le silicone. Go faire un stack de silicone en permanence et. Bah, ouais, oui, c'est, en fait, c'est ce que je voulais faire, mais après, du coup, niveau symétrique, ce sera pas. Enfin, tu sais, si on a un peu moins, c'est un peu contre. Bon, normalement, j'aurai les ressources pour donc. Écoute, ah non, je voulais en faire. Attends, je sais plus. Ah non, attends, ça fait pas non, ça. Attends, je voulais peut-être en faire 12, tu me diras de chaque, je sais plus. Oui, si, je voulais en faire 12. Ah, si. Bah, du coup, 36, ouais, c'est ça. Si tu veux faire 75 fois 50 millions de RF en moins, vas-y, hein. Ouais, bon. En vrai, je produis 15 000 RF par tick, donc ça va vite, hein. Ah, ils sont où les culinaries? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, les culinaries. Ouais, donc. Sachant que là, et le champ, il se fait chier, hein. Le champ de blé, il se fait grave chier, donc je pourrais quadrupler le setup. Quoi. Ah oui, t'as changé les. Oui, c'est vrai que t'as. Oui, mais en fait, j'ai agrandi le champ là aussi, et du coup, j'ai dû mettre beaucoup plus de sprinklers parce que forcément, en fait, ils ont un rayon d'action que de 7 par 7, je crois. Ah, mais eux, ils sont pleins. Attends, mais tu les consommes pas aussi? Non, mais ils sont full. Mais en fait, mon stockage est full. J'ai 475 millions de refs là-bas qui sont full, tu vois. Parce que je produis bien plus. Ah oui, que il est je là, ne... je cherchais lui là. Ah oui. Je le voyais pas, je me suis dit, c'est bizarre. Oh, je suis triggered, c'est pas pareil. De quoi? Ils sont pas placés au même endroit. Ah oui, ouais. C'est pas symétrique. Ah bah c'est parce que j'ai rebougé en plus. Bon, en vrai. Tu le jettes le. Le sludge, ouais. Bah sinon, après la machine, quand elle est full, elle arrête donc. Je vais ramener un tesseract de liquide, je vais te le voler. Parce que le sludge, en vrai, on peut faire des trucs intéressants. Mais en fait, limite, ce qui est foiré là, par contre, c'est que le surplus de toast qui est produit, je le stocke dans un drawer.
Parce qu'en fait, parfois, en gros, si mon énergie part trop vite, hein, après l'énergie des machines baisse un peu. En fait, l'énergie des machines elle se vide un petit peu. Et si les machines vont moins vite, enfin, si les machines ont moins d'énergie, elles vont moins vite. Si leur stockage interne est moins rempli, ce qui est un peu casse-couille. Et du coup, en fait, ça snowball trop vite et après, je produis beaucoup moins d'énergie. Ouais, un buffer, ça serait pas con. En vrai, le sludge, c'est pas intéressant, c'est que tu peux aller sous le sand, la clé. Bah, en fait, surplus d'énergie à la drill. Et le pit qui peut se faire de l'énergie, je crois, avec. Ouais, mais non, en vrai, parce qu'en fait, tout à l'heure j'étais en rate d'énergie, parce qu'en fait, pour peu que je lance les machines, ça me consomme trop donc. Il y a des cendres, ouais, bof. Après, il y a 10 milliards de terres différentes. En fait, vu qu'il n'y a pas de priorité avec ça, c'est chiant. Peu de zol. C'est quoi avec le sludge? Ouais, avec le sludge. Ouais, je sais pas, mais je crois que c'est dans le boiler après que tu peux le mettre, t'as différentes stocks. Oui, c'est un sludge boiler qu'il faut. C'est aussi un très bon liquide à prank d'ailleurs, ce truc. C'est un enfer. Vu que ça te fout des 10 milliards d'effets dans la gueule. En fait, s'il y avait un système de priorité, déjà je pourrais mettre ta priorité sur mes machines et j'aurais pas de problème, tu vois. Mais ça, c'est 450 millions. Ouais. Il faudrait que je... Mais en vrai, là je pourrais doubler mon setup facile, hein. Genre mettre deux fois plus de machines. Bon, franchement, là, générateur et puis. Le blé il suit largement. Ouais, mais en fait, le problème c'est que chaque unitary générateur compacté comme ça, c'est un bedrockium déjà. Donc ça fait 3 plutonium, tu vois. Donc ça fait un peu mal au cul aussi. Bah, faut penser à lancer le réacteur très souvent, quoi. Oui, bah en fait, j'aimerais bien faire le réacteur en liquide là. J'ai jamais fait celui-là. Bah, moi non plus. Donc, mais apparemment, il produit beaucoup plus. Il est beaucoup plus vite et tout. Donc en fait, vu qu'après, j'aurai beaucoup plus d'uranium, hein, ça pourrait être pas mal pour faire beaucoup plus de plutonium d'un coup, tu vois. Parce que sinon, je pense jamais à les re-remplir et tout. Vu qu'en plus, j'ai pas un design là de réacteur que je pourrais automatiser parce que j'ai des rods différentes, tu vois. Sinon, il faudrait que je l'auto en fait, hein, juste l'input, l'output, hein, et que je prenne un design avec que des rods du même type, quoi. On va me faire niquer. Qu'est-ce qu'il me vole, l'autre, là, il me vole mon pain. Non, je suis en train de voir parce qu'en fait, avec deux toasts, tu peux faire un toast sandwich, mais ça vaut pas le coup. Hein. 28, 32, tu gagnes pas le double d'énergie. Bah, en gros, tu vas consommer plus de blé mais, et produire d'énergie plus vite, mais c'est pas. Mais en fait, c'est ouais, pas en fait niveau saturation, etc. Ouais, en fait, c'est ça, ça donne quasiment pas de bouffe en plus, donc la différence entre le pain et le toast est insane. Bah, tu passes de 28 à 32 RF par tick et de 55 à 63 000 en tout. Quoi. Pour deux toasts, bon, ouf. Ouais, je sais pas s'il y a des recettes vraiment worse, sinon je pourrais rajouter un petit coup d'eux avec, mais. Du coup, ça, j'ai récupéré ça sans faire exprès. Il y a pas tu mettras dans ton drawer de buffer. Bon, après, je bouffe du toast, hein. Moi ça me va, hein. C'est du surplus. Hein. Ça lui fout dans mon appel et puis je me nourris à ça. J'ai pas mangé ça. Hop. Ah, moi je mange. Et tout, ça coûte combien en RF hein. Mange, hein. C'est des dizaines de milliers d'RF parties, je pense, pour laisser derrière. Moi je mets ça dans les culinary. Tant dire que ça dépote quoi. 60 RF parties, 152 000 par burger. Ah, parce que là, c'est que en fait, là, du coup, c'est que 28 RF parties de base. Ouais. Après, le truc, c'est que bon, il faut farmer plein de trucs derrière, mais ça se fait. Moi j'ai autocraft les burgers. Oh, c'est quoi le nom du truc que tu m'as donné? Delighted. 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 Je te redonne un autre si tu veux. Ah ouais, c'est. Ouais, ça donne 3 fois plus d'énergie, quoi, du coup. Par, ouais, mais c'est une chaîne de production derrière qui faut. Bah ouais, parce qu'il il faut du smoothie, il faut des frites, il faut du sel, il faut de la laitue, il faut de la tomate, il faut du fromage, il faut. Sa mère. Voilà, j'ai tout. En fait, niveau énergie derrière, je pense qu'il consomme quand même pas mal quoi. Bon, quoi qu'après, c'est pas mal de craft, ouais, en vrai, ça consomme mais... pas tant que ça. Après, c'est du forestry, c'est. Ah, je sais pas. Hein. Oui. Avec des grains d'Izzy et avec les grains d'Izzy, ça va très vite. Hein. Ouais, j'ai tout non, mais c'est vrai que là, quand tu vois le champ, à quel point, bah en fait, il est en permanence presque full. Alors, les miens sont full aussi. Enfin, je void le surplus donc. Ouais, mais moi, c'est vrai que je mets un drawer en in-out en fait, au final, du coup, pour stocker le toast. Ouais. Comme ça, je stocke le surplus de toast. En plus, c'est vrai que moi, j'ai pas encore mis les. J'espère que ça marche avec Forestry, mais je crois que ça marche aussi. Vu que ça reste des champs AgriCraft, mais j'ai pas mis les sprinklers encore. Hein. Donc, je peux encore augmenter la. Ça va tellement plus vite, c'est un délire. Hein. C'est... Ouais. Bah, c'est ça qui fait qu'en fait, il est en permanence full alors que ça avance très rapidement, tu vois. Et en plus, je pense que tu pourrais mettre un fertiliseur de Mine Factory. Ouais! Mais alors par contre il faut faire le fertiliseur mais je sais pas si ça marche avec celui de Forestry. Mais de paix d'énergie je sais pas. Parce qu'on en a tellement de l'apatite. Bah l'apatite moi je la void, hein. Enfin je la vire. Ouais bah oui j'imagine que tu t'en sers pas mais parce moi je la garde mais pareil j'en ai tellement parce que ça tu craves tellement de fertiliseur avec. C'est vraiment pas cher. Donc et les fios sont tellement gros. Alors deux drawers. Attends juste que pour te dire apatite j'ai 844 blocs. Stonks. Voilà. Là, c'est trop bien parce que moi j'ai accès à mon stockage d'ici. De partout en fait.
Ah ouais? Je peux request et après avec un Undershest. Ah oui, parce que je suis en mode, attends, Caplight, comment ça t'as accès de partout? Ah non, non, non. Oui, non, c'est bon. Bah, c'est vraiment le gros avantage de logistique, c'est que tu peux request depuis l'infini, quoi. Donc depuis la lune, je peux aussi, etc. Après, je peux le brancher avec logistique. Le seul truc que j'aurais pas si je fais ça, c'est les crafts auto de logistique. Ouais. Donc au pire, ce que je peux faire, c'est que si jamais il y a des crafts que j'ai vraiment régulièrement besoin, je peux les laisser en logistique. Et le reste, je passe sur Applied. Je pense que je vais faire ça. En fait, il faudrait que lui, parce qu'il y a quand même pas mal de craft auto que j'ai pas forcément besoin tout le temps et tous ces tuyaux finalement ça, à force ça finit par faire ramer quoi. Donc si je peux simplifier la base ça serait cool. Bon vas-y moi je vais tenter de faire ma gas là, je sais pas comment je vais faire ça. Pourquoi? Pour le Galgador? Pour le Galgador ouais. Bah, après t'as pas vraiment besoin... En fait vu que t'as besoin que d'une range pour faire autant de contrôleurs que tu veux... Oui mais Creative Energy Cell. Je te laisse voir le craft. Disons que le Galgadorien, il en faut un petit peu, quoi. Donc je vais automatiser ça aussi, tant qu'à faire. Après, moi, j'ai un spawner à Ghast, hein, mais... Mais est-ce que ça marche dans l'Overworld? Faut forcément le faire dans le Nether ou... Ça, je sais pas. Faut que je teste avec SafariNet et après, avec Nether. Dans le Nether, c'est grave, hein, tu fais dans le Nether, hein, tu peux tuer un peu aussi, sûr. Hein. C'est sûr, mais je voulais tester quand même... Si je peux le faire dans... Après, c'est vrai que... Il faudra automatiser aussi les araignées, les champignons, tout ça, parce qu'il faut... Ça, c'est fait. Araignées, c'est bon. Champignons, alors ouais, champignons, j'essaie de faire un croisement, mais le croisement c'est un peu le problème, c'est que ça demande Nether Wart et patates, sauf que Nether Wart il faut du noir et les patates il faut du jour. Donc je sais pas comment faire. Bah en fait, les graines de champignons, il faut croiser des Nether Wart avec des pommes de terre. Mais Nether Wart c'est forcément dans le noir? Et ça marque This plant cannot grow parce que c'est vraiment pas dans... il faut vraiment que ce soit dans le noir en fait. Je vais tester dans le Nether, voir si les patates poussent quand même. Parce que c'est peut-être une question de bio ouais, aussi. Ouais, t'as un moyen où tu fais une limite, c'est vu que c'est quand même à 2 blocs d'écart, tu fous vraiment dans le noir et la patate tu l'éclaires un petit peu et tu mets une sorte de mur un peu entre deux, enfin je sais pas. C'est... Ouais, mais il faut qu'il soit à 1 bloc d'écart pour avoir les. Oui, les non, mais je sais bien, mais peut-être que t'as moyen quand même après d'en murer un petit peu et qu'il fasse assez sombre pour un Netherwart quoi. C'est bizarre qu'il faut qu'il soit sombre pour un Netherwart. Parce que quand j'essaye. Ah, attends, ah oui, non, j'ai eu 2 graines. Quand j'essaye en fait de faire pousser un Netherwart, ça veut pas, c'est vraiment pas dans le noir, c'est trop bizarre. Sinon, faudrait faire un spawner à mushroom. En fait, il faudrait trouver un biome. Ah ouais, j'en ai un. Ah, t'as un biome champignon, enfin t'as un plus. Biome truc. Bah, vas-y, mec, tu fais un spawner à mushroom en fait. Mais je sais pas si. Enfin, non, c'est pas un biome mushroom island, c'est une fucking forest, un truc comme ça là. Ouais, je crois pas qu'il y ait des mushrooms là-bas. J'ai pas attention, je sais pas sur la team map, on en a. Je crois pas qu'on y en ait, hein. Soit déjà dans les 10 000 blocs. En fait, déjà, il y a pas beaucoup d'océans donc c'est mort. Les océans, ils sont à la limite de la map. Ah, c'est ça, en fait, déjà, il faut les 10 000 blocs pour avoir un océan sur la carte donc. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ouais, j'ai un biome avec du pozzol, mais je crois pas que. Le non, pozzol, je pense pas qu'il y a de mushroom. Le mycélium, mais je crois pas qu'il y a de mushroom. Je pense pas qu'on puisse faire des vaches non plus, les transformer. À les changer hein. Alors, du coup, avec un mode magie, il y a un truc pour ça. Mais ça sera pas indiqué dans les nuits, quoi. Pour les. Il y a un mushroom trophy. Peut-être avec de la witch water, un truc comme ça, je sais pas. Mais... Je crois pas qu'on l'ait ça. Hein. Ça, c'est du. Le witch water, c'est pas dans. Ça s'appelle le mode là. J'ai plus. Avec Snilo. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Hein. Du coup, je vois pas de Witch Water. Ouais. Non. Après, il y a peut-être un moyen, hein, mais. C'est pas... Ça sera pas expliqué là, quoi. Il faudra trouver comme ça. Moi, ça me fait un bon petit stock mais... de toi, ouais, ouais, je crois que j'ai pas de biome comme ça, ouais. Non, parce que je suis allé farmer les champignons déjà une fois dans ce biome et j'ai pas vu de vache, donc. Ouais. Enfin, j'ai pas fait gaffe, quoi. Ça se trouve, il y en avait, mais j'ai pas fait attention. Mais c'est marrant qu'ici. Comme le biome est un petit peu loin, c'est un peu la flemme d'aller voir. Ça produit les toasts beaucoup plus rapidement qu'en face. Non, non, mais il doit y avoir moyen de faire les graines. Hein. C'est juste que je vais tester dans le Nether, voir ce que ça donne déjà. Feu de la terre. C'est pas clair. Terre est sous le sang. Ouais, je pense que ce setup là qui alimente principalement l'énergie là-bas. Et celui-ci, c'est un peu plus chier quoi. Non, je suis bien en scène de prod d'énergie, hein, mais. Et je pense pas que j'ai besoin de configurer quoi que ce soit en vrai. Je pense que si tu mets rien, ça marche tout seul. Non, c'est juste qu'en fait, vu que je consomme pas d'énergie, j'ai pas besoin que ça parte quoi. Mais c'est quand même bizarre que ce soit pas full. C'est comme si l'énergie partait dans le vent.
Non, il se gère tout seul, en vrai, il a le buffer et tout, donc... Bon, clair. En vrai, ça monte, hein, mais c'est juste que ça monte moins vite qu'on passe, quoi. Bah, il suffit qu'un setup soit plus utilisé que l'autre, et puis... Ouais. Ouais, mais ouais. Bon, attends, la Zadrip, ça donne quoi, là? Oh, et mollo! Par contre, c'est marrant, ça remplit que celui-là pour l'instant de coffre. Bon, tant mieux, ça remplit qu'un, mais. Après, il doit peut-être faire nuit là, je pense. Ouais, c'est pour ça que ça marche plus. Ouais, c'est ça que je voulais faire, attends. Faut que j'ai récupéré les trucs parce que on était parti sur les abeilles tout à l'heure. Et du coup, ça marche moins bien. Si jamais je leur mets pas des apiaries en plus. Alors j'ai planté les patates dans le nether, ça marche. Mais par contre, le nether ward ça marche pas. Hein? C'est con, mais ça veut pas tant que c'est dans le noir. Hein. Un peu débile quand même. Ah oui, c'est un peu débile, oui. Ah, les patates elles sont dit ouais, tranquille, je suis dans le nether, ça marche. Mais alors, le nether ward c'est fuck you. Attends, faut que je regarde dans le livre ce qu'ils disent. LCSI Manipulator, je crois pas qu'il s'appelle comme ça à l'époque. Non. Il s'appelle différemment. En plus, ça marque brightness range parce qu'en fait, ça dit la luminosité que ça accepte, ça va jusqu'à 7. Ah, mais j'ai peut-être parce que j'ai des torches à côté. Et si tu mets les torches, c'est pas dans le noir de go, mais. Ouais, mais même en virant les torches dans l'overworld et la nuit, ça voulait pas, donc. Fallait vraiment que je l'enferme. Peut-être ouais. Que dans le nether, ça passe. On va tester. Alors. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Elle est comment elle, est full flower? Bah attends, on va le mettre avec un full flower. Ouais, peut-être dû mettre 15 000 trucs différents là. Parce que comme ça, je fais ma graine de champignons et ensuite j'utilise la machine là qui les fait pousser. Le phyto machin là. Attends, j'ai rien compris. Son problème de croisement, c'est uniquement pour que la plante pousse, mais uniquement qu'elle ait fini de pousser que le croisement peut se faire même si la plante ne peut pas pousser. Après, apparemment, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, si par exemple tu fais pousser chaque plante là une par une, donc avec la bonne lumière, après, même si on a une des deux qui a pas la bonne lumière, le croisement s'effectuera quand même. Ouais, ça, je pense que ça sera bon. C'est juste que la graine en fait, bah, c'est juste tu fais pousser par exemple au début dans le noir ta nether ward, après, tu mets de la lumière pour faire pousser ta patate, et puis une fois que les deux sont poussées, tu perds ton croisement, tu vois. Bah, j'ai essayé plusieurs semaines, ça a rien fait donc. Ouais, donc, ouais. C'est peut-être. Ouais. Non mais là c'est bon, les deux sont Fertile Can Grow et... Mais t'as du mycélium de refaire... Ouais, j'ai mis du mycélium. Tu l'as chopé où? Bah je t'ai dit, j'ai un biome avec du mycélium au sol. Nice. Forêt de champignons, je sais pas quoi là. Donc j'ai récupéré là-bas. Ok. Et c'est de se crafter le mycélium, je crois. Alors il faut des nobles et majestiques au début. Bah tu peux l'avoir justement avec le sludge boiler, mais sinon... Si, avec le moistener tu peux faire. Ok. Tu mets du blé... graines et ça te fait du mycélium. Alors ouais, attends, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne la majestique Ouais, si. Bon. Ah, mais par contre, j'ai mis ça ici, mais il n'y a pas de chunk loader. Ah bah, j'en ai un là. Ah non, mais c'est un spot. Il sert à rien. Ah, et les abeilles de nether, ça pique. Tu... Chez. En plus, ces trucs-là, ça bypass l'armure. Faut vraiment faire gaffe. Ah ouais? Ouais. Enfin. Ah, mais c'est pour ça que je me fais one-shot par les explosions. Ça bypass l'armure aussi à tous les coups. Bah, y'a moyen, hein. Ah, bah oui, parce qu'avec une Dark Metal Armor et tout, enfin Dark Steel là. Mais tolérant, je me fais one-shot pas, à 10 blocs de distance, donc non, c'est sûr que c'est. Fuck. C'est comme si j'étais à poil, quoi. Et là, c'est Industrio, c'est Forest. Ok. Ouais, je prends une abeille de Forest, je pense.
Il y a un drone dans le pas historique. Les abeilles qui à chaque fois reviennent dans l'espèce d'avant, c'est toujours un plaisir. Ah si, elle est préhistorique en inactive. Et après, c'est Rocky et Diligent. Ah, mais à chaque fois, c'est en inactive. Elles ont tous préhistorique en inactive. Mais c'est bien, mais... Rocky et... Sciente, secluded. Ouais, c'est là. Et une fois que j'ai celle-là, après, c'est les... c'est... j'attaque les abeilles du de radioactif. Mais t'as eu celle qu'il faut avoir au PNJ, là ? Laquelle ? Bah tu sais, il y en a une qu'il faut acheter au PNJ là. Ah la ouais les comment ça s'appelle, les monastiques, je les ai, ouais. Ok. Et où ton PNJ ? C'est chiant parce que c'est un drone à la base, mais bon, je l'ai fait boucler avec des forests et... Ouais. Donc maintenant j'ai... Mais t'attends, tu peux travailler plusieurs fois au PNJ, non ? Ouais, tu peux en acheter plein. Hein. J'ai capturé un PNJ qui... je l'ai ramené dans la base. Ah là, j'ai une fois 3 maintenant, c'est bon. Nice. Bon, elle est juste... Alors attends, jour, j'ai mais plus c'est pas d'abeilles grave, c'est juste pour, de... J'ai plus d'abeilles, moi. Ouais, moi je m'en fous de tout ça. Dès que j'ai la radioactive, là par contre, je vais la peaufiner pour. Je refasse une roquille, il faut que je refasse une forêt, je crois. Ok. Parce que les autres en vrai, je m'en fiche. Après, tu me diras, j'ai aussi l'abeille de fer, mais celle que j'ai, c'est pas la tienne, c'est une autre. Moi j'ai la rusty, moi. T'as pas la férousse ? Non, parce que la rusty, j'en avais besoin pour le croisement, et du coup, c'est celle qui me fait des combes, qui me donne un quart de poudre. Donc, ouais, je préfère moi, quand ça donne directement les nuggets, du coup c'est quand même mieux. Bah ouais, c'est mieux. Plus rentable et. Faut du plus vite. Et surtout, tu l'envoies direct dans ton. Ah, c'est packing. Ça, en plus, t'as pas besoin de le process, ce truc. Donc, Ouais, parce que là, je dois crafter la poudre puis la cuire. Chez. Ça me donne un lago, mais. Mais voilà, après, ouais, je m'en fous, hein, c'est pas une abeille que j'ai cherché à avoir. Je l'ai eu que pour les croisements. Ouais. C'est vraiment pas un truc que je vais garder. Bah, après, attends, je l'ai fait boucler ta gaffe, mais c'est pas ça qui a fait mon fer, hein, c'est sûr. Fuck. Ah, j'ai 2658 blocs quoi. Oh, j'ai ma première iron nugget. Hein. Ah, de mon abeille. Ça y est. Stonks, début de la richesse. Let's go. J'aurai 3 lingots au bout d'une semaine. Ah ouais, ça. En vrai, c'est tellement long les abeilles. Même pour alimenter un réacteur, je crois que c'est super long à faire. Oui, bah je pense qu'il te faut 300 stacks de pierre. Ouais, puis. Il te faut tellement de ruches. Bon allez hop, je traîne pas là, est-ce qu'il y a des abeilles qui explosent ? Ça. Voilà, du coup, ferme à ghast. On va mettre les bons laines après, oui. Je vais tenter avec un spawner. En vrai, j'en ai c'est pas pouvoir. Inaccessible. Tibi, elle est pas si loin que ça au final. Ah, mais je les ai pas récoltés eux encore aujourd'hui. Zut, j'ai enlevé les bookmarks, comment on fait pour les remettre ? B. Ok, c'est bon. Je sais pas si c'est Mi ou si c'est Animal Crossing ça. C'est qui ? Les apiaries pour la prod des apiaries, c'est juste pour les croisements, ouais. Oui, il y a ça aussi. Ça pollinise du coup, ça fait plus quoi, loin. Hein ? Tu fais quoi là ? Là, je mettais de nouveaux croisements d'abeilles en route. Là, je fais l'impériale, la stanum et la tolérante. Là. Voilà. La stanum, c'est les temps ? La stanum, ouais, c'est pour après pouvoir partir comme ça sur la. Boom boom, je crois, pour ensuite pouvoir faire l'auric qui me produira du gold. Hein. De l'or, ouais. Et après l'auric, ça sera la diamond. Let's go. C'est bon. Ouais. Et go croisement avant quoi. Ça, c'est les abeilles, en plus, ça a besoin de mettre une fondation, je ne sais quoi, non ? Ah putain, oui, il y a ça, attends, wait. Hein. Pour la Stanum, là, il faut peut-être que je foute un. Ah, mais toutes ces abeilles-là, je crois que t'as. Putain, oui, il faut un bloc de tissu. Il fallait déjà un bloc, ouais. Ouais. Et la tolérante, il en faut ou pas ? Ah, non, putain, mais du coup, attends, la Stanum, c'est non, bon. Non, la tolérante, c'est bon. Un bloc de tissu, bâtard. Tu vois, la férousse au début, je l'ai fait pendant les croisements, je me dis, merde, attends, pourtant, j'ai même fait la recherche et tout. 12%, mon cul, quoi. Hein. J'avais pas mis le bloc d'ailleurs. Ah oui, c'est sûr que tu veux pas le bloc en dessous. Ça marche pas. Il y a un petit souci. Ouais, je me dis que dès que t'as mis le bloc, c'est ça y direct. Mais c'est la Majesté qui donne Impérial, en fait, Valek. Simplement. Hop. Oh, c'est ma Majesté qui est là, qui me donne Impérial, enfin, qui est bétifique, quoi.
C'est quand même bien le slice and spice, t'as juste à shift et click les blocs, les objets, et ça va direct dans les bons trucs. Ah ça. Ah, du coup, faut que j'aille sur la lune après. Craft, ouais. Ah, et encore, t'as pas de lunaire. Ouais, ouais, elle est fonctionnelle, il y a l'énergie et l'oxygène. Right. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'y avais FK, les météorites, elles popaient pas à côté de la base, elles popaient vraiment en limite de zone en fait. Ça avait un grand cercle autour en fait, ultra loin. Je pense qu'il y a une sécurité pour pas que ça tombe sur toi. Ouais. Oui, bah ça, c'est pour éteindre ta base, quoi, et... c'est un peu con quoi. Aussi, oui, c'est pour ça. Accessoirement. Donc, ouais, t'as besoin de. J'allais faire les trades avec les PNJ pour refaire des focus là. Ah, par contre, c'est trop bien, ça me donne du salpeter là dans ma drill. Ah. Du coup, ça fait du niter. Quel régal. Hein. Ça. Il y en a pas dans le sous-sol je... Ah, je sais plus, il y a. Attends, dans le désert surtout en fait, mais. Bon. T'as ça que j'ai un coffre rempli de Lindstone Solar Core maintenant. ça avait foutu la merde. Ah, j'avais dit que j'allais faire quoi. Vraiment, pour le prochain craft du panneau solaire, j'ai du stock. Spawner. Faut que je vois si j'ai pas du. Parce que moi, j'ai mis dans un désert, donc je vais regarder si j'ai pas du. C'est quoi, c'est du Nitter? Du Salpeter? Bah, ouais, du Salpeter, tu devrais en avoir dans le désert, je pense. Où est-ce qu'il s'est. Mais ouais, moi c'est Madusigbi qui l'a eu le mythifique et. Nitter, j'en ai que 95 et Salpeter. Je me suis chié en fait à ce qu'elle le garde le croisement, enfin le gène en fait. Je l'ai croisé en boucle et tout avec les autres drones qu'elle le garde quoi. T'as pas de Salpeter? Non, j'ai pas de Salpeter et j'ai à peine 2 stacks de Nitter. Putain, mais c'est de la PGW ici! Alors Nitter, je sais pas d'où il vient mais. Sûrement plus. Ah, si, je sais, c'est quand j'ai récupéré des minerais dans le Nether. Ok. Ouais, je les ai traités après d'ailleurs. Bon, t'as toujours une abeille qui fait ça. Lazare douce. Mais sinon, ouais, c'est la sandstone pulvérisée. Ah, j'ai un villageois là qui a Pyrrhus, mais bon, il me donne une Under Drone quoi, genre. Un peu chier quoi. Bah, si tu viens chez moi, il y a le villageois. Ouais. Ah oui, non, je crois qu'il est. Attends, est-ce qu'il peut acheter? Si c'est bon, il peut encore en vendre là. Parce que tu sais que les villageois après ils sont bloqués et c'est chiant pour les reset. Après, faut retrain un truc pour se récupérer, je crois. Il faut acheter des trucs en fait, c'est le seul problème. C'est... Putain, mais attends, si je l'équipe, ouais, je peux lui acheter full pop. Enfin, si je veux la débloquer après, je dois passer par. Soit il faut que j'achète des frames, soit il faut que j'achète des abeilles. Mais il faut du propolis et des drones. Oh, les casse-couilles, hein. Donc, bon. Y'a pas un fermier, putain, mais ils sont tous niqués les fermiers. Au pire, j'ai un spawner villageois, je vais l'activer d'ailleurs. Farmer un peu l'émeraude. Bah, j'ai pas eu d'impérial dans mes croisements, hein. J'ai spawn des villageois, il y a des villageois de foresterie qui spawn aussi. Ah, peut-être qu'il y aurait un impérial qui a pop comme ça, oui, parce qu'après, vu qu'en fait, t'as un majestique. Y'a plein de villageois que je connais pas. Y'a un villageois qui s'appelle The King, il vend des trucs de musique. Ah ouais? Ouais, enfin des trucs, c'est genre des notes blocs, tout ça. J'ai rarement que des villageois classiques, hein. Moi c'est du blé ou du steak, hein. C'est genre. Ah non, mais moi, ouais, moi je l'ai fait spawner avec le. Ah avec t'as un spawner à la con, ça. Ouais, c'est là-dessus en fait, je vois plein de villageois de Tomcraft, de. Ah bah tu m'étonnes, hein. Ah, le mec est arrivé. Moi je voulais trader des émeraudes avec mes PNJ, mais y'a plus aucun PNJ en fait qui a des émeraudes, quoi. À la limite, je vais aller dans le village à côté de la Corée, je pense. Un zoologiste. Ah merde, j'ai pas vu ce qu'il donnait. Des animaux. Ouais, je sais pas. En vrai, genre, non, je pense pas qu'ils donnent des œufs, mais. Bon, ça m'étonnerait en vrai. Hein. Ça m'étonnerait aussi, mais qu'est-ce qu'ils pourraient donner du coup, je sais pas. Ouais, ça commence à bien creuser ici. Mon spawner, encore. Je vais pas aller voir d'ailleurs, tiens, ça va du diams. Je produis et combien actuellement? Je saurais pas dire combien je consomme. Hein. Et combien je produis, je saurais pas dire non plus. En vrai, je dois être à 14 000, 15 000 RF. Peut-être. Ah, il doit en avoir un châssis, c'est ça qui est fait, je pense. Et en consommation, la query, elle consomme. Alors, peut-être. Le launch meter automatisé, c'est chiant. Si tu fais plein de craft d'un coup, il y a des trucs qui se mélangent. Ouais, t'as 8 000 de consommation, là, j'ai peut-être. De la redstone alloy, super. Et j'ai. C'est quoi? C'est du silicone et de la redstone. Ah, par contre, quand tu mets des query, après, avec la mineshaft, t'as plein de coffres à aller ouvrir en fond. Ouais, les minecarts, ils tombent, ouais. J'en ai quelques-uns aussi. T'es électrotienne là? De toute façon, il y a du diams. Ouais, ouais, faut que je sépare, faut que je fasse plusieurs alloy smelter en fonction des crafts. Ouais. Genre, ceux qui demandent de la redstone,
Tu peux pas les mettre ensemble parce qu'ils vont, ils vont se mélanger avec d'autres trucs. Putain, j'ai de l'émeraude qui a pop dans ma query, mais ça, je la traite pas. Enfin, je la stocke pas. Ah, c'est un peu con, ça. Ah, ah oui. Parce qu'il y a peut-être qui a du popper et qui a du survoid, je pense. Après, de la mettre en compacting drawer, je sais pas, mais... Oh, quoi que. Hein. Bah, oui, hein. Ouais. C'est ce que j'ai fait, hein. Ah, mais attends, est-ce que je l'ai fait, d'ailleurs? Parce que moi, justement, comme je fais des villageois, je les forme. Mm-hmm. Ça me fait des blocs, parce que je sors des blocs. Et de ce fait, si je mets dans un compacting, ça arrange mon truc. Je peux envoyer ça direct dans ma drill, en fait. Oui et non, parce que si j'ai une machine qui bosse à côté, je consomme du 8000 RF par tick en plus. Moule à Emerald. J'ai mon apply qui me consomme aussi. Et en fait, si je consomme trop d'énergie, après mes machines elles ont plus assez d'énergie, j'en produis encore moins. En fait, parce qu'en gros, mes fours et tout, là où il y a le pain, on a moins d'énergie et c'est la merde. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure en fait. Attends, il m'a fait un plus setting à Emerald. Après, quand je suis pas là, oui, je pourrais envoyer pas mal d'énergie dedans, mais. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un dimensional transceiver qui me consomme le truc et que je le mette un cap de 5000 RF dessus. En vrai. Là, ailleurs. Ouais, je vois. Je vais alimenter un des deux prédateurs. En fait, il faudrait que je mette un autre dimensional transceiver du coup. En plus, avec d'autres câbles. Et que je mette genre du 5000 RF par tick dessus, ça va suffire. Dans ça, je suis pas obligé de booster tous les prédateurs. Hein. Si j'en bouge genre que deux, ça suffit. Hein. Bon, je sais pas combien ça consomme par prédateur en énergie. Faut que j'aille gérer cette histoire d'émeraude là du coup. J'ai pas filtré l'émeraude ici, on est d'accord. Bah non. Bah non, bah non. Ouais, du coup j'ai pas trop de PNJ pour l'instant, une kit ride, mais ça on verra après. Du coup il me faut une émeraude. Il faudrait un compacting drawer, je sais pas si j'automatisais ça. Ouais, j'auto est ton patine drôle. Ouais, hein. Ah, mais les pistons, ils sont automatisés, il reconnaît pas. On est à ton transceiver, tu mets un capacitor à 5 millions. Il y a un taux de 5 KRF par tick max. Ouais. Oui, mais autant mettre des. Oui. Oui. Oui, et je le câble sur le réseau actuel. Oui. Si lui devra refaire un câblage. Oui. Et quoi qu'il arrive, par contre, il me faut un autre transceiver. Parce que si je mets sur le transceiver actuel hein, la conso d'énergie, il va tout me sucer. Il va pas chercher à comprendre. Aerolink Machine, c'est pas automatisé ça. Attends, on va recommencer par le commencement. Ouais. Allez, reconnais le piston. Yolo. Machine, c'est bon. Metal chest. C'est bon. Les triples composites cobblestone, j'en ai, mais faut que j'automatise. Bon, la triple, on la fout là. Waiting drawer, on va se le mettre. Bon. Un peu con, j'aurais dû faire l'inverse, mais bon. Parfait. Et en vrai, du vrai, du vrai, du vrai, du vrai, du vrai. Bon, idéalement, il faudrait que je le mette du coup dans un des coins là. De toute façon, ça va virer, ça va virer.
Guillaume, packing tape. Pas le bon Grémy. Oh, du coup, il y a les nuggets d'émeraude aussi. Nice. Bam, bam, bam. Et comme ça, l'émeraude qui arrivera à la courir, je peux la stocker dedans. C'est bien ça. Nickel. Nickel, nickel. Alors, du coup, ton histoire là de drill. Donc, il faut un autre transceiver. En vrai, transceiver, je vais automatiser. Hein. Il va réussir à me le crafter, ça. Ah oui, c'est vrai que le vibrant, je peux pas automatiser. En fait, quoi qu'il arrive, il faudrait que je fasse des Ender Crystal. Par contre, une fois que j'ai les Ender Crystal et tout d'avance, je pourrais automatiser le reste. D'ailleurs, les Trickle Steel, il faudrait que j'automatise. Ouais. C'est bon, si tu ne donnes pas le résultat, faut pas être content le bougrin. Donc ça, Olay Smelter. Fuse Quartz, il faudrait que j'automatise aussi. Il quand même faut le cristal du milieu quoi. Il faut du vibrante. Le vibrante faudrait que j'automatise. Ah, j'ai plus d'électrons, tu mon émeraude. Sa mère. Pas de démeraude qui traîne aussi. C'est bon. Donc vibrante. Et j'ai pas automatisé les nuggets. Pas de vibrante. Non. Bon, tes nuggets d'Underium, je les ai. C'est bon. Et en vrai, ce vial, je vais en remplir plein. Et on va automatiser le solarium aussi. Ça sera fait. C'est comment ça? Oh, j'aurais jamais automatisé de craft en une journée, tu vois. On va s'en capturer plein d'avance. Tiens, on a check, et l'espoir de champi marron doit être dans le noir total aussi pour pouvoir pousser. Sur le noir de la nuit, c'était pas assez pour elle. Apparemment, l'espoir de champi marron, ouais, faut que ce soit dans le noir total pour pouvoir pousser en fait. Ah, ça c'est chiant. Donc, oui, mais en soi, enfin, bah en fait, c'est juste que du coup, tu fais pousser tes patates avant quoi qu'il arrive. Et après, tu mets vraiment la salle dans le noir, tu vois. Ah ouais, ok. Bah attends, je vais regarder si j'ai eu la. J'ai pas regardé. Je crois que je l'ai pas. Hein. Si ce que tu dis est vrai.
Après, c'est pas 100%. Après, ça se trouve, tu vas avoir d'un Azorak. Ah bah non, tu peux pas avoir d'un Azorak qui pote. Non, c'est y a place, autre chose, sur du mycélium. Donc, C'est que du mycélium. Donc, effectivement, il y a rien. Bah, je vais l'enfermer, on va voir. Hop, on va mettre ça là-bas. Ah, c'est tellement long à crafter cette merde. Bah, tu me diras, juste boucher là, ça ira. Voilà. Je reviendrai plus tard. Il peut pas en mettre plus à la fois du. Là, je vais tenter de voir si les gars spawnent dans l'overworld. Ah, si, c'est trop long. Ouais. J'attends que en fait que les souliers se terminent. Comme ça. Je taxe un peu le soleil ici en attendant. Crafter le long sinon. Ça j'en capture genre une dizaine, une quinzaine, même dans Norman d'un coup et on n'en voit plus. Bah, à chaque fois ça me fait un petit solarium et dès que ça me fait un solarium ça me fait des viales. C'est une par une que ça se craft. Et salut Sels Marvin, j'ai pas eu. Comment as-tu? Pam, 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 pam. Allez, encore deux. Ça, on en aura 16. On va se faire un bon petit tas de trucs là. J'automatise tellement de craft là. Dès que j'ai besoin d'une ressource, j'automatise. Ah oui, non, mais moi, c'est ça, ce que moins, je fais depuis. Après, tranquille, quoi. C'est ce que je fais depuis vraiment longtemps, moi, perso. J'automatise le solarium, l'endorium, enfin l'électrigol steel, toujours de bordel là. Non, je sais plus, elle est où l'entrée de l'end. Maintenant, je fais ça à l'extérieur là. T'as pas mis un élévateur? Si, j'ai mis un élévateur, bien vu. Faut chercher un trou comme un con. C'est quand même plus rapide que descendre par la grotte en rien. Ah, par contre, t'arrives dans le tas là, t'as 15 slimes qui t'attendent, c'est un délire. Hein. On peut mettre une machine pour les tuer. Ah ouais, non, mais il y a une forme à slime dans l'aime, quoi, genre. Forme à slime, ouais. Ah oui, non, il passe dans le portail. Ouais, il passe dans le portail, c'est con, du coup, t'arrives, tu as perdu 15 cœurs. Hein. Let's go. Je crois que je chasse un spawner Enderman plutôt qu'à chaque fois de venir aller dans l'end pour les chercher. Je pense que si tu utilises. Normalement, dans la Cursed Earth, j'en ai des Enderman. Ouais, mais j'ai pas encore fait de faire ma mob en vrai. Bon, j'ai juste mis la Cursed Earth et un grinder. Bah, faudrait que je le fasse. Hop, capacitor. Et par contre, le Soul Grinder il est pas automatisable. Hein. Le Soul Grinder, c'est quoi ça? Soul Grinder Le Soul Binder, je veux dire. Le truc où tu fais les Ender Crystals et tout dedans, en fait, tu sais, en échange d'XP, puis tu combines une vial avec un cristal et tout. Parce que vu qu'il faut de l'expérience, si parce qu'en... ouais, mais en fait, il a pas d'inventaire. Ouais, mais il a pas d'inventaire d'expérience, tu vois. Ouais, mais je sais pas si tu peux juste lui brancher un tuyau et il prend. Je sais pas. Ouais. Ou alors tu mets un réservoir et tu mets de l'XP liquide dedans. Je sais pas. C'est le même mode. Je sais pas du tout. J'avoue que. Est-ce qu'il est alimenté? Oui. Enfin, ça a pas l'air de vouloir spawner dans l'overworld ce truc. Ok. Le spawner il fait rien. Donc, je pense qu'il faut aller. Ou alors attends, est-ce que j'ai mis un. Ah ben non, mais. Oui, je suis juste con en fait. J'ai un spawner qui est vide. Marche bien. C'est... Bah en fait ça marche bien, ça spawn du vide. Ouais, c'est parfait. Ça spawn du vide et ça consomme aucune énergie. Voilà. Meilleure rentabilité ever. C'est juste que mon spawner il est là-dedans. Bah justement, il est dans le Soul Binder. Non, le Fuse Quartz, ça en consomme une chier de Nether Quartz, ce truc. Hein. C'est... Ah, mais c'est 4 pour 1, je crois, un truc comme ah ça. Ouais, c'est 4 pour 1, et c'est long à faire. Ouais. Bah après, tu mets des octadiques, mais même comme ça... Oui, bon, mais en vrai... Bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas les... Après, t'avais des versions de... Certains modes pack et tout, en fait, où t'avais d'autres capacitors, mais c'était des capacitors qui étaient aléatoires, que tu chopais dans les donjons et tout. Mais t'en avais qui pouvaient avoir 3 fois la puissance d'un octadique capacitor, tu vois. Ah, c'est pas aussi que ce soit dans une version plus récente. C'est peut-être en 1.12. Je sais pas si c'est une version plus récente ou si c'est un add-on, tu vois, genre. Je sais pas. J'avoue, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler de ces trucs-là, donc. Et je sais que souvent, justement, j'explorais genre les forteresses du Nether ou quoi en début de partie parce que t'en avais plein dedans, quoi. Ouais. Mais t'en avais qui étaient toute la cause en fait, hein, tu pouvais pas le savoir, hein, fallait les mettre dans les machines pour savoir si t'as des bons capacitors ou pas. T'en avais qui étaient plus pourris qu'un basic capacitor et d'autres qui étaient 3 fois plus pété ah oui, qu'un c'est pas indiqué. C'était pas indiqué. Non, c'était aléatoire. Oh, ouais. Ok. Enfin, une fois que tu l'as dans la machine, après il y a ton truc. Hein, oui, il te le dit, ouais. En fait, c'est comme si tu l'as analysé dans la machine. C'est indiqué ? En même temps.
Ouais, c'est indiqué, ça fait un moment que t'as explodé. On dit quoi. Et du coup, j'ai un capacitor. Ok, bon, on va peut-être pas mettre un capacitor avec un passe solaire seulement, ça va pas suffire. Ouais. Ou alors, c'est que le gaz consomme énormément d'énergie pour le spawner. J'ai quand même mis un résonant de solar panel dessus. Et ça galère. Aïe aïe aïe. Eh ben, il y a un truc pour les décoder. Ah ouais? Oh shit. Ouais, on va voir. Hein. Et après, je testerai dans le laser, voir si ça consomme moins. Ça, c'est le moins cher. Peut-être. Attends, c'est quel le moins cher? Ah oui, ça marche. Ah, mais tu me diras, je peux le crafter directement à partir de rien en vrai. On peut faire spawner des gaz dans l'overworld. Ah, mais c'est beaucoup moins cher de le crafter à partir de rien en fait. Nice. Yep. Après, bon, là, il faut aussi, double alors que là, il faut. Oui, ça coûte un peu plus cher. De perles okay. De l'arme. Bon, par contre, ouais, il faut faire ça pas dans la base quoi. Ou alors avec des blocs. Bah disons. Bon, après s'ils te target pas, en théorie t'es tranquille. Ouais, c'est mais bon. Faut juste voir maintenant qu'est-ce qu'il faut comme espace pour les spawner et derrière comment les tuer. Bon, avec un grinder j'imagine. Le grinder on peut pas augmenter sa range. Bon. Putain le 25 millions. Aucune idée. C'est chiant ça. Non on peut pas. Tu sais pas le grinder de Draconic? Bah je sais pas si tu peux le faire lui par contre. c'est toujours la question. Quand je vois les mana dust, je me dis. Ah, plus du cul. Il faut une Sword of the Wyvern. Bon. Waouh. Faut farmer des Nether Stars. En vrai, ça va. Juste une Nether Star, c'est un peu chiant que j'ai pas encore. Il faut une. C'est quoi ça? Ah, il faut une épée en Unstable. Ok, bon, ça va. Alors, oui, c'est bon. Donc, un Wyvern Core, Draconium Block, ça c'est ok. Ah non, ça demande aussi un Wyvern Core, un Draconium Block. Ah ouais. De toute façon, il est en max output, il est à 5000. Hein. Et mana dust, alors le mana dust, ça c'est quelque chose. Hein. Ici, on se met en extract. Hein. Il faut du Molten Fairy, Molten Poképhanium, qu'est-ce que c'est que ces trucs? DXP. Ah ouais, très bien. Fairy, c'est quoi? Bon, c'est... j'ai un peu boosté ma prod de laser drill là. Je l'ai relié sur mon réseau. Comme ça, en fait, quand je suis pas là, je relierai là-dessus. Hein. Je le relie à base de 5000 RF particles. Alors qu'il me suce pas tout le réseau non plus parce que. Il y a quand même 6 fois plus vite que ça. Ça spawn les gaz, mais il y a une lenteur. c'est tellement long que j'avais oublié que c'était actif et je me suis pris un gaz dans la tronche là. Est-ce qu'il y a ce quand ça va au moins, comme ça, on aura tout ça qui va remplir quoi. Nice. Ouais, vas-y, remets ça là. Bon, déjà, si on a 5 coffres de rempli, on sera content. Hein. Sport de champi macro marron, on peut juste passer par Tinker en plus. Alors attends, pour faire du Molten Fairy, il faut du sang. De l'obsidienne et de l'ardite, ah super. Et là, la vitesse à laquelle ça va, normalement ça sort du 100 000 RPG, je pense. Quoi. Hein. Et le Poképhanium, c'est du sang, du fer et du cobalt. Putain, il y a les deux quoi. Le 100 000 RF, c'est un work. Il y a deux minéraux du laser bien chiant quoi. En théorie, ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être bon en tout cas. Donc, clairement, ça c'est ok. Si je lui, je mets en Wii signal. Ah, mais en plus, ce truc là, c'est 100%, il y a besoin de ça pour tout Draconic. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Attends, au final, il est vraiment branché, cette con. En faire. En plus, pour faire les outils draconiques, il faut des minéraux d'émeraude. Attends, on va faire différemment. Et pour l'arc, il faut le shiny Evo. Ouais, il est branché, ok. C'est marrant qu'il expulse plus qu'il ne prenne. Dommage que d'oublier le nombre de générateurs que tu me blindes, ouais bah déjà ça me coûte la blinde ça en ressources, c'est vrai, surtout qu'en fait ça je veux vraiment que ce soit un setup autonome de base avec des panneaux solaires tu vois, donc histoire de changer un petit peu tu vois. Mais j'ai pas les ressources pour l'instant. J'ai pas les ressources. Après à force de mettre des courriers, tout ça, ça va aller. Hein. Il reçoit 5000 max, il envoie 5000. Ouais mais en fait s'il reçoit 5000 max et envoie 5000, il devrait pas se vider plus vite qu'il ne se remplit. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait il s'est stocké un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, attends. Est-ce que si je mets genre 4000. Donc là, en max output, il est à 1000. Il se remplit qu'à 3000 RF.
Par contre, quand je le mets à 2000, il se remplit qu'à 1000 RF par tick. Hein? Comment ça? Y'a un problème là. Y'a une couille, hein. Y'a une couille dans le poté. T'es sûr que tu marches bien, toi? Au cas où, hein. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Pas de book pourtant. Oh, t'es ici. Attends, est-ce que t'es ici? Ah, tu penses que c'est 5k max in et out? Ce qui fait qu'en gros, là, il sort du 2000 et il reçoit du 3000. Hein. En gros. Ce qui fait que si je le mets à 2500, il est neutre. De la merde. Ouais, parce que si je mets 3000, ça change rien en fait, tu vois, genre. Ok, ok. FF. FF. Pas bien. C'est, il faut quoi? Faut diviser par deux les valeurs qui sont affichées ou c'est quoi le truc là? C'est quand même vachement bizarroïde en fait là. Parce qu'en mettant à 3000, ils ont rentré plus que du 1500. Bon. Ouais, du coup, faudrait que j'ai un deuxième capacitor à côté quoi. C'est pas clair. Enfin, c'est pas clair. Soit un deuxième capacitor à côté. Soit deux capacitors côte à côte. Et 2500 in and out, ça sera bon? Non, 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 non! Regarde! C'est pas bon! C'est pas bon! T'as dit, y'a une couille! Hein. Y'a une couille dans les valeurs! Hein. Et alors, j'ai mis 10 000. Parce que là. Pourquoi en mettant 10 000 en max input, on n'a que 5 000 en plus qui reçoit alors que je sors du 2500? On va pas comprendre. Sachant que je sors qu'à un roi. J'ai rajouté 5k. Ah putain, oui, ok, oui, oui. Là, en gros, il y a 7500 qui rentrent et il y en a 2500 qui sortent. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Et du coup, j'ai mis genre 5000. Du coup, si je mets 10 000, je vais mettre 5000. De toute façon, en vrai, je peux mettre le max, ça fonctionne pareil, hein, si il s'équilibre. Il s'équilibre pas du tout. En fait, il s'équilibre une fois qu'il a vidé son stock interne. Hein. Bon, on va laisser comme ça, et puis basta. C'est quand même vachement bizarre, hein, comment ça fonctionne. Là, ça va en chier du minerai. Mais fais voir, niveau conso... Oh, il est ok. Noich. Noich, noich, noich. Ah, il est ok parce que ça vide les générateurs. Donc les générateurs ont plus d'énergie. En vrai, ça perd tous les vidéos, donc ça va. Du coup, en fait, forcément, ce setup là va consommer un peu plus maintenant. Mais normalement, on consomme 5000. On consomme 4000 en haut, donc 9000. On consomme à peu près 2000 à la query. Plus tout ça, on va dire qu'on est à peu près sur du 12 000 en consommation, je pense. Ouais, entre 11 et 12 000 en consommation, quoi, clairement. Plus les machines qui sont là, 400 machines, machin. On va rajouter 1000 de chaque côté, ça fait 14 000. Sachant qu'on produit 1800 fois 12.
Au revoir. En brut. Ah bon, on est large, hein. Ouais. Ah, on est large. Par contre, si j'en sais centrifuge la chose là-bas, ça. Non, que la machine, on voit plus quand elle fonctionne devant. Ouais. Plus il y a plus d'énergie, j'ai envie de vous dire. Mais normalement, ça devrait être bon. Bon, comme ça va bien remplir d'ici demain, quoi. Bon, je confirme dans les heures, ça va beaucoup plus vite. De faire spawner des ghasts. Ah ouais? Et ça consomme beaucoup moins d'énergie, surtout. Sérieux? Dans le via le power head spawner? Ouais. Ah ouais, okay. Oui, largement. Là, je peux mettre carrément l'octadic et tout. Bon, après, j'ai branché mon Tesseract dessus, donc. Ça envoie plus d'énergie, mais les gars se spawnent tellement vite. Bah oui, après, si t'as mis plus d'énergie en fait avec l'octadic. Ouais, non, mais même vite, ça consomme beaucoup moins de base. Je le sens. Et tu l'avais testé à l'extérieur ton spawner ou tu l'as mis dans le noir, dans l'overworld hein? Non, j'ai mis dehors. Ah, peut-être que dehors, du coup, ça consomme plus que dans le noir, tu vois. Oh, c'est peut-être aussi. Hein. Mais bon, en soi, hop, on va le faire dans le nether, ça sent très bien. Pourquoi il y a des slimes bleus dans le nether? Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est d'où il vient lui? Il a rien à faire là. Il y a du spawn dans les portails, bien. Bon bah nickel! Le gaz, let's go. Bon en vrai, je pense que c'est vraiment le magnet par contre. De toute façon, vu que je vais aller sur la lune, mais vu que j'ai pas les ressources pour traiter de toute façon. Bouge là, pour faire les inscribers que je voulais faire aujourd'hui au final. Hop! Vu que j'allais sur la lune là. Ouais, là j'ai déjà 22 larmes de gaz formées là. Right. Ah oui, ça spawn d'un coup, oui. Ça, c'est pas la même chose, hein. Ok. Bon, maintenant faut que je trouve un moyen de les tuer. Non, mais les U m'a fou zéro. Il m'a fou zéro. Ah. J'ai plus ma filet de tier 2. De Mars. Ah. Je sais pas, t'as dû la ranger quelque part. J'ai que la tier 1. Regarde si tu l'as pas dans ton applied, un truc comme ça. Bah elle est pas dans mon applied, elle est pas dans mon stockage où j'ai mes trucs non plus. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra un capacitor. De quoi? Elle n'est pas non, sur le pad? Non, sur le pad, elle y est pas. Je sais pas où elle est passée. Un peu chiant, parce que ça coûte cher quand même à faire en plus. Oui. T'as pas laissé dans le coffre qui retombe là? Tu l'écoutes, t'as dû la laisser là-dedans et si t'as pas pris le coffre. Ah putain, sachant quand j'ai fait la miniature et tout, il y a peut-être un monde où du coup quand je suis revenu, j'ai pas récupéré la fusée. Alors reste à voir d'où je suis revenu, mais ça c'est une bonne question. Peut-être atterrir chez Bazon. Ah, les chauves-souris du Nether, c'est l'enfer. Hop. Non, parce que j'ai le launchpad. Hein. Donc j'aurais pas pris le launchpad sans prendre la fusée, tu vois. Ouais. Ça serait quand même vachement con, quoi. Oui, c'est... Oui, bah, oui. Si tu prends l'un et pas l'autre... Vas-y, oh, pour la fusée, vas-y, reste là. Non, mais du coup, ouais, pourquoi elle serait pas là, ma fusée? Alors, tiens, je vais regarder s'il y a eu le... Le champ pipi... toujours pas. J'ai le launchpad, j'ai le fuel loader, tu vois, j'ai tout. Enfin, j'ai tout qui est set up comme si j'étais prêt à partir, tu vois, donc... Ouais, non, je vois, mais... Pourquoi j'aurais pu foutre ça? Tu l'aurais pas mis dans la poubelle? Non, clairement pas. Non, parce que j'aurais pas eu sur moi, tu vois donc. Faut regarder les VOD maintenant. Allez hop! Un enfer. Non, parce que la dernière fois que j'allais sur Mars, c'était hors VOD pour prendre un screen, je crois donc. Là, c'était hors live quoi. Ouais, t'es obligé de revenir avec la fusée de toute façon. Bah oui, j'aurais pas pu revenir autrement donc. Que même si tu meurs, tu réapparais là-haut. Donc ouais non il y a bah je alors là attends ça c'est quoi ça là, c'est pour ouais c'est ça matière 1 pour aller sur la lune là pour aller farmer du météorique à Iron Ingot mais dans ton under chest t'as checké alors peut-être non. Peut-être là dedans hein. Non. Répondre à ce métier, hein.
Ouais, Rocket Launchpad avec ça. Et bah, le mystère. Alors, attendez. Ouais, je pense encore que le meilleur moyen, c'est de regarder la VOD et de voir... Ah oui, non, mais c'est-à-dire... Ah ouais, non, en fait, c'est... Ouais, non. Et puis je me vois la reposer donc, et tout ça, tu vois, la truc. Puis en fait, vu que j'ai reposé le launchpad, ce serait con que j'ai reposé le launchpad et pas la roquette que j'ai aussi dans mon inventaire, tu vois. Est-ce qu'il y aura un truc qui l'aurait cassé? Est-ce que genre un squelette, ça tire dessus, ça l'a fait des pop? Ouais, peut-être qu'il y a un truc qui est passé, qui... Ah ouais, bah 100% il y a un squelette de merde qui a tiré sur un ça, truc, ouais. Hein. Et ça a des pop. Bon, ça se recraft, hein, mais ça coûte pas mal de métaurique à Ironing God, donc bon... C'est un peu le truc, tu vas y aller pour ça, et bah finalement tu vas y aller pour... C'est ça. Bah après, ça en coûte combien la roquette de Meteoric Iron Ingot? Il y avait 10 sur le fuselage. Ouais, attends, la 10 de base 4... plus. 4... Ouais, il c'est quand même 18, 4... tu vois, donc. Ouais, c'est ça. Hein. Bon. Ouais, ça c'est. Faut avoir un bon coup de AFK et. Ouais, de toute façon, je vais y aller là. Hein. Mm. Parti mon kiki. Hein. Attends, j'ai de l'énergie. J'ai pas le fuel loader, c'est con pour repartir. Oui, il y a une petite nugget de Ferrous là. De fer. Mais non, encore une ruche. Ouais, ouais, il y a une. Oh, je tonks, hein. T'as 4, t'as 3 drones et qui sont tous différents d'ailleurs. Nice. Et t'as un. Une couille sur la lune. Alors, c'est pas un minerai, le météorite Iron Ingot, c'est des météorites qui tombent en fait. Ça changerait rien. J'ai oublié d'aller sur place en fait pour pouvoir les faire spawn et les récupérer. Alors, ça fait quoi? Ça fait du shiny. Alors attendez, j'ai l'énergie pour repartir. J'ai pas pris un gros capaciteur par contre pour alimenter le bordel. Je vais prendre ça le rooftop là. Ouais, je fais du shiny, puis après comme ça, on va faire de l'iridium. Hein. On va être tranquille. Hein. Pour pouvoir produire encore plus d'iridium. C'est ce que je fais aussi. Ouais, j'ai commencé par faire du shiny d'abord. Ouais. Là, j'ai mis un stack de diamants maintenant. Moi, je sais pas combien de stacks d'iridium j'ai déjà produit avec ça. Mais... Après, tu produis à combien? Il fait nuit, attends, faut passer la nuit. Je crois 2 jours, je suis à 2000 et quelques particules. Ouais, t'es quand même beaucoup plus vite que moi. Voilà. Bah, j'ai 2 panneaux solaires en ultimate, hein. Plus d'alimentation qui provient de me faire ma blé, là. Donc, je suis à 2048, tu vois. Et chaque dès que j'ai un stack d'iridium, je refais un ultimate, tu vois. Donc, 72, 24. Stonks. T'as eu 2 MFE, donc 512 aussi à chaque fois. Ah, petit décollage. Allez, ciao, hein. Vas-y. T'auras le décollage sur ma VOD. Avec les shaders. Ça fait quoi si je tire dessus avec la flèche? Non. Je pique au décor. <décolle. rire> J'ai fait niquer une fusée. Oh. Non, mais ouais, y'a moyen de faire un squat. Hein. Je vois pas... Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai pas les coordonnées d'où je suis revenu depuis Mars, donc. Bah, à mon avis, si t'as récupéré la fusée, c'est que tu l'as reposée sur le pad après et. Bah, c'est ça, ouais, 100%, de toute façon, si j'ai pris le launchpad dedans, j'aurais pas laissé la fusée, enfin, y'a aucun intérêt. Oui, c'est sûr. Non, mais c'était. Non, mais je pense qu'il y a un squelette qui a dû, en fait, à un moment donné, j'ai pas fait gaffe, il a dû avoir un squelette au loin, il a dû tirer et juste, en fait, au bout de 5 minutes, ça dépop, quoi. C'est ça. Je vois pas d'autres explications en fait. Maintenant, je sais que mes fusées, je les garderai dans un plaid. Ouais. Bah, faut pas les laisser sur le pad, ça c'était sûr qu'il y a rien autour. Moi je sais que chez moi, il y a pas de spawn, donc ça va. De toute façon, je suis pas là-bas pour me faire tirer dessus, mais... Ouais. Putain, ça fait du bruit, la fusée. Encore? J'entends encore. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bruyant. Hein. Ah, c'est bon, t'es parti. Voilà, voilà. Je le retrouve où elle est ta base lunaire. Faut que tu mettes le portail. Portail? Portail gun. Tu mets là où tu décolles et tu mets vers ma base. Parce que je sais que t'as un portail, je l'ai vu. Mais là, je sais pas où. Oui, mais il allait en gros, je l'ai mis un chunk loader avant, mais qui marche ouais, pas. Oui, d'ailleurs, le chunk loader, tu l'as retiré ou pas? Ça sert à rien de le laisser. Je sais plus si je l'ai retiré ou pas. Bah attends, je peux te dire ça, j'ai une commande pour voir les chunks chargés. C'est quoi ce chunk? Chicken chunk? Tu content? Non.
Chain Clothers, ok. Il y a encore. C'est trop bien parce que ça m'ouvre en fait un petit logiciel qui montre tous les chunks qui sont chargés par les joueurs et par les chunk loaders. Toi, t'as... Ah oui, t'as agrandi ton rayon de chunk loader, toi. Non. T'as encore je crois que t'as encore ton chunk loader du Dead Turtle là-haut. Non, mais attends, c'est vrai que j'étais pas allé. En fait, j'étais allé quand j'étais sur l'autre PC, du coup, j'ai pas la map de charger pour aller jusqu'à ton truc. Oh. Ah oui. Météorite sur le chemin, là. Oh, mais il y a plusieurs météorites sur le chemin, vas-y, let's go. Là, j'ai un portail gun, ça c'est mon Aquari. Et un portail gun, ça c'est Aquari pour le coup. Chicken chunk. Non, mais attends, il y a des météorites tous les 2 mètres là. Bah, si je suis arrivé, je serais déjà full en retard quoi. Ouais, t'as encore un chunk loader sur tes turtles. Je les vois. Ah ouais? La lune, c'est quelle dimension là? Les turtles, je suis pas allé voir encore. Ça se trouve, en fait, il y a plein de ressources et. J'ai laissé, j'ai oublié. Non, c'est bon, il n'y a plus le chunk loader sur la lune. Ouais, je viens de le casser. Ah. Ce qui est marrant par contre, c'est que quand tu tires, c'est le portail gun, quand tu tires avec. Mmh. Et bah, le petit projectile, c'est une entité qui charge un chunk. Sérieux? Genre, ouais, le temps du travelling. Bah, en fait, le truc, c'est que ça charge le chunk, mais ça avance plus après parce que ça arrive pas à passer au chunk suivant. Ah. Donc, je vois les chunks chargés par les projectiles, il y en a quelques-uns. Mais c'est bizarre. Ça, je crois que c'est le portail que t'as posé. Et après, il y a deux autres chunks là qui sont chargés. Et il y a un que c'est un portail et l'autre, je sais pas ce que c'est. Ouais, t'as fait un vrai portail gun. Hein, mais... Ah, ouais, tu peux rentrer maintenant avec le sas. Ouais. Attends, limite, j'ai foutu mon portail à l'intérieur. Hein. Ah oui, la dim map charge le chunk 0-0. Ouais. Ouais, tu peux mettre le portail dedans. Comme ça, t'es tranquille. Nickel, hein. Normalement, les sas, ça s'ouvre à 5 blocs de distance et j'ai fait des couloirs de 5 blocs. Donc, tu devrais pas pouvoir les ouvrir depuis la salle. Ouais. Mais juste quand tu rentres dans le couloir. Comme ça, en fait, t'avances et ça s'ouvre pile quand t'arrives, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a pas déjà de la météorite qui traîne dehors, là? Ouais, pas farmer. C'est possible, hein, j'en ai. Genre, j'ai passé un peu de temps à construire le truc et j'ai pas forcément farmé les météorites. Wow. Donc tu peux les récup. Hop. Ouais, j'ai déjà 10 météorites dans Meteoric Iron dans l'inventaire. Nice. Ah, je vais quand même retenter le spawner de Ghast avec un Tesseract en Overworld. Ça se trouve, c'est juste ça. Hein. C'est quoi, quand c'était dehors Non, qu'il y avait peut-être pas assez d'énergie. Ah ouais. À cause d'un peu de... juste avec un peu de soleil, il y a peut-être pas assez quoi. Ah oui, parce que ça suce un petit peu quand même, hein, le spawner. Hein. Ouais. Moi je sais, quand j'étais dans Nether, je prenais les capaciteurs de 25 millions, ça me les fumait très rapidement. Ça me fait spawn que quelques ghasts, hein, 25 millions de refs. Ouais, peut-être un monde où c'était juste le panneau solaire qui était pas plus. Oui, non, c'est ça en fait, c'est pareil. Ça va assez vite, ouais. Ça spawn deux fois, deux spawn de ghasts assez rapidement donc. Ok. On avait peur d'avoir d'autres météorites à Iron. Oh, tu mets ça en haut de la colline de chez Bazon. Oh, la prank de génie, tu fais ça. Tu mets un truc qui détecte le joueur pour que ça spawn que quand il se connecte. Et le spawner avec ça. Le problème, c'est que c'est à condition, faut qu'il se connecte déjà, tu vois. Donc, oui. C'est déjà pas gagné, quoi. Oui, c'est sûr. C'est déjà pas gagné. Oh, le bordel, par contre, j'ai. Ouf. Normalement, je trouve qu'il faudra pour repartir. J'avais 6 gaz d'un coup là, pouf. Mmh. Et voilà. Oh, le champ de ruines que ça fait. Bon bah écoute, en vrai moi je vais te laisser là. Bah, je vais FK la météorite. Hein. Parce que bon, il m'en falloir un petit peu pour faire toutes mes merdes là, pour mes inscribeurs à la con. J'aime pas combien de stacks il va falloir. Oui bah oui, en plus oui, pour retourner sur Mars, refermer du dash plus tard. On faudra. C'est la dash. C'est la dash en effet, ouais. Le dash ça va, c'est tu mines assez rapidement et... Ah oui, c'est un délire, hein. Il y a des filons partout et tu fais quelques stacks très rapidement. C'est vraiment le météorite. Et d'abord sur Mars, il y a aussi des météorites. Oui, on va faire une base martienne. Ouais. Au moment. Faudrait que j'en fasse une là, ouais, c'est vrai. C'est la même chose en plus, mais... Aïe. Bon, et bah écoute, à la prochaine. Bah ça marche, hein. Bon, FK là-haut. Yep, merci. Et à plus. Bon les amis. Et moi je vais vous laisser là-dessus du coup pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On
retrouve demain midi, un truc comme ça, pour la suite du modèle. En espérant avoir assez de météorites et Ironing God, parce que maintenant le Shiny, je le produis, l'Endorium, du coup, là, on a tout ce qu'il nous faut. Parce qu'en fait, pour rappel, on voulait faire les inscribeurs aujourd'hui et automatiser tout ça avec Applied. Le problème étant que il faut beaucoup de météorites et Ironing God, et il faut beaucoup de machines frame en résonante. Et du coup, il refaut encore de météorites et Ironing God, il refaut de l'Emeraude, il refaut de l'Endorium. L'Emeraude, au pire, on ira zigzaguer à des villages à gauche à droite là pour en choper, c'est pas un problème. Hein. Mais l'Endorium ça pue. Voilà. Y'a pas l'Endorium, la météorique ça pue. Endorium on a maintenant, parce que je pourrais lui shine et tout, donc y'a pas de soucis. Donc ouais. Ouais. Et ça, ouais, je vais en faire au moins 36. 12 pour le silicone, 6 pour le gold, 3 pour le pur, 3 pour le diamant. Et 12 pour l'assemblage quoi. Mais quoi qu'attends, 12 c'est pas symétrique donc c'est chiant. Peut-être en faire 15, après 45 fait beaucoup, non? Ce 15 ça ferait combien? Ça fait 7, 4, 4? Ouais. Ouais, on fera peut-être ça, je pense. On verra. Le 45 ça fait 90 météorites Ironing God là. Plus 45 ici. Tu fais du 6, 2, 1 toi? Ouais, en vrai c'est bien déjà. Après ça fait beaucoup. Non, après on s'overkill, ça coûte trop cher. On fera 9. 9 assemblages, 9 pour gold pur diamant au total, donc 6 de 1. Et puis 9 pour le silicone. Ouais, ça sera bien, ouais. Ça fait 54 du coup plus 27 qu'il me faut. Donc en vrai, si je prends un stack et demi, je suis fine. Sachant qu'il m'en faut pour la fusée, donc idéalement, il faudrait que je reparte avec 2 stacks. Mais là, globalement, attention, je vais rester connecté toute la journée ici. De temps en temps, je vais sortir, prendre des trucs, tout ça. Soir, pendant le resto aussi. Pour l'anniversaire d'Emma et tout qui va essayer, ça va connecter aussi donc ouais, on fera ça. Et pire, si plus tard il me faut vraiment plus d'inscribeurs, je reviendrai farmer. Et puis voilà, parce que en fait, quand il vient me falloir plus d'inscribeurs, c'est quand je serai au 16384K en termes de disquettes. Hein, parce qu'en fait, il faut des disquettes dans des... Il faut ça. Donc forcément, mis de bout à bout, ça coûte cher. Mais en fait, il va falloir tellement de glowstone à côté, de ressources, etc., que ça va pas être les nombres d'inscribeurs le problème, ça va être ma quantité de ressources. Donc voilà. En fait, le nombre d'inscribeurs, ça va juste faire que le craft sera plus ou moins long. En vrai, on s'en fout quoi. Walouf. Petite question, tu recommanderais quel hébergeur pour un sort modé avec à peu près 10 personnes? 10 personnes, ça commence à faire beaucoup. Ça dépend quel mode pack c'est. C'est un mode pack récent, c'est un vieux mode pack ou pas. Après, globalement, ils se valent tous, hein, que ce soit MTX, soit MG Serve, etc. Ils sont à peu près tous identiques en termes de puissance. Moi, j'ai souvent utilisé MTX, j'ai jamais trop eu de problème. Quand on était sur MG Serve avec WAF, on n'a pas trop de problème non plus. Donc, globalement, les deux, c'est kiff-kiff. Quoi. Ouais, ça dépend. Faut voir parmi les offres qu'ils proposent, est-ce qu'ils te conviendraient le mieux, en gros. Quoi. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, moi je fais des gros bisous, je souhaite de passer un agréable week-end les amis, puis bah on se donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure sur le modpack. Donc voilà, donc portez-vous bien, et puis à demain.